Et du coup, ça veut dire que les boutons, ils sont plus bas? Mais écoutez, on verra. On verra, on verra. On cherchait les habits de couche sur YouTube. À l'aide. Vraiment, je vous jure. Ah oui, Lou, ouais, bah oui, bye. C'est dommage en vrai. C'est dommage. Salut Léna, comment ça va? Non, franchement, en vrai, j'ai vraiment hâte quand même. J'ai très très hâte parce que du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre un let's play, mais un vrai let's play. Et j'espère cette fois-ci bah, qu'on va pas s'enlacer. Donc, on mettra des streams New Leaf dans la semaine. Donc, à voir comment on les place. Touchez votre nez. Au passage, il est 16h16. On verra comment on les place dans la semaine, mais franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment vraiment hâte pour le coup. Et bon, sur ce, en vrai, je voulais quand même qu'on aille sur le jeu. Je vais regarder si ça fonctionne. Oui, ça marche, ok. Ils ont fait une mise à jour TikTok, encore. C'est quoi la différence avec la 2DS? La New 2DS XL? Bah, elle est XL et c'est New 2DS, donc il y a des nouvelles fonctionnalités. Ça déteste, mais sache que peu importe à quel point il te déteste, moi je te déteste encore plus. Oh, la chance que j'ai! Draishan, il me déteste encore plus que mes habitants. Merci Raishan, ça fait trop plaisir. Non, alors en gros, je vous explique ce qu'on doit faire. Enfin, ce qu'on doit essayer de faire. Vous voyez tous ces habitants là? Je pense qu'ils me détestent, au fond. Parce qu'en fait, ils me donnent jamais aucune quête à faire. Sauf que nous, ici, aujourd'hui, on veut se concentrer sur la quête. On a fait les chaînes de miles hier, j'ai un peu la flemme de refaire encore chaînes de miles aujourd'hui. Bon, on en fera sûrement. Mais je vous montre vite fait, on est arrivé. Je suis arrivée hier, parce que de mon côté, j'ai rejoué. Touchez votre pied. Je touche mon pied. On a rejoué, enfin j'ai rejoué, oh là là, j'ai rejoué après et je suis arrivée jusqu'à 1376. Donc on a bien augmenté parce qu'on en a fait plus de 200 depuis qu'on a commencé. Mais c'est tellement long genre. Je sais pas si vous vous rendez compte hein. Il en faut 3000. Dans une semaine tu me doubles, en vrai je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Ah ouais Lou. J'ai même pas envie de savoir pourquoi on touche son pied ici. Bah parce qu'en fait quand tu loupes le touche-nez, tu fais ton touche-pied. Parce que ça rime. Bref. Faut pas chercher des fois. Et en gros, j'aimerais qu'on se focus sur... Elle est où cette quête? Là. Elles sont vraiment à côté en fait. Je peux pas penser mais... Celle-ci. Aider son prochain. 95. 95 sur 300. Sur 300. Ça fait bientôt 4 ans que j'ai commencé. Que j'ai commencé cette quête. Il m'en manque 2 tiers. Bah non, on a fini Clémence, Althea. On a fini depuis au moins une semaine et demie, 2 semaines. Salut Amandine, ça va et toi? Salut Lola, salut Ruru. J'espère que vous allez bien. Je sais pas du tout comment provoquer la quête, mais c'est la question que j'allais vous poser et que je voulais qu'on fasse ça aujourd'hui, qu'on provoque les quêtes. Je ne sais absolument pas comment on peut faire ça, genre. Mais ouvre la boîte aux lettres, madame. Je ne sais pas comment on peut provoquer les quêtes. Alors, je voulais savoir si vous avez des techniques ou si vous saviez quelques petits trucs. Alors, ACNH, aider son prochain. On va regarder. Il y en a qui ont fini ça. Je crois que Chloé, elle avait fini cette quête à la con, là. Parce que là, ils nous parlent... Mais ils nous parlent, ils sont chiants, parce que vraiment... là, c'est des trucs qui datent de 2020. Personne n'a écrit sur ça, en fait, depuis... Le 21 mars 2020. Qu'est-ce que vous voulez que je trouve de l'aide dans les trucs qui sont sortis un jour après le début du jeu? Regarde dans ton guide, sinon. Bonne idée. Je pense qu'ils vont rien m'apprendre parce qu'ils mettent pas d'astuces dans le guide. Mais ça coûte rien de regarder. Carole m'envoie des lettres. En tout cas, ça y est, je pense qu'elle m'aime bien. Coucou Lox. Althea est pas à jour. Je vous expliquais que Althea sera uniquement à jour quand j'aurai fini toutes les quêtes. Enfin, toutes les quêtes, voilà, je me perds. Toutes les vidéos construction sur ma chaîne YouTube. En l'occurrence, on en est un peu près à la moitié. Donc ça viendra au mois de février, quelque chose comme ça. C'est pendant que je fais les maïs plus, je parle au moins une fois par jour aux habitants et quand je les croise, il y en a beaucoup. C'est les objets trouvés. On est d'accord que la plupart, c'est les objets trouvés. Quelques jours, t'as forcément un objet perdu. C'est vrai, Cléa? Vous savez quoi, on va regarder. Mais je sais pas, je pense qu'on n'aura pas d'informations sur ça. Est-ce que vous pensez qu'on a des quêtes, enfin des
des trucs exprès sur ça. Personnages et événements. Se faire des amis, vous pensez? Résident de l'île, se faire des amis. Je pense que ça peut être dans se faire des amis. Résident de l'île, 128. On va regarder. Se faire des amis. Résident de l'île. Non, c'est pas ça. Personnalité masculine, féminine. Eh, notez ça. Les habitants sportifs, ils se lèvent à 6h30. Les habitantes féminines, elles se lèvent à 6h. Les normales. Et paresseux à 8h. Et grande sœur, 9h30. Putain, la grasse mat et tout. C'est 3h du matin. Et il y a des habitants. Alors, les habitants sportifs, ils rentrent chez eux à 12h30. What the fuck? Tous les habitants sportifs sont censés être chez eux à 12h30. Je pense qu'ils se sont trompés, ça doit être genre 12h30, non? 12h30, ils mettent. C'est louche, non? J'ai un doute. Ah, j'espère, Ruru, hein. Salut Minette, comment ça va? Sixième pièce, on peut encore agrandir. La dernière pièce, c'est le sous-sol. Si jamais. Salut Loulou, comment vas-tu? Parce que les habitants, ils arrivent et te demanderont des trucs du style poisson, insecte, d'aller chez toi. Ils m'ont toujours pas demandé d'aller chez moi. Hein. Et pourtant, on a joué longtemps et je leur ai parlé beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, je l'ai fini cette quête. Oh purée. En vrai, faut tous les jours faire le tour de tous les habitants, voir s'il n'y en a pas un qui est malade chez lui, leur parler dès qu'il. Ah oh putain, t'es... oh là, Mad, t'as fini cette quête. Les 300, t'as fini. Oh la vache. Salut Clem. C'est 300. Tu peux me confirmer que c'est bien 300? Je vais regarder les trucs de Miles. Je sais pas où ils sont. J'ai un espoir pour que qu'on m'aide un peu et que ce soit genre 200, tu vois. Oui, malade aussi, j'avoue, malade, ouais, mais... Ils sont tellement jamais... En fait, faut beaucoup time travel, en fait. Du coup, ça veut dire que là, aujourd'hui, faut qu'on tète beaucoup, quoi. C'est Voli Broom, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et ben, salut Voli. Salut Marraine, bon courage pour les révisions. Merci Malina pour, pour ton follow. Et salut Sean. Est-ce possible de faire venir un habitant de la PM... non. Non, tu peux pas. Non, c'est 300. Oh putain. J'ai envie de pleurer. Où sont les cartes de Miles? Pourquoi je les trouve pas? Je vais y aller au talent. Hein. Bon, ça c'est vraiment le tutoriel. Il y a vraiment une partie tuto dans ce truc, c'est vraiment pratique. Oh, l'odeur du livre, je pourrais tourner les pages comme ça. Et sniffer, genre. C'est ma drogue. Sur l'odeur des livres. C'est ma passion. Surtout les gros katas comme ça imprimés, j'adore. Ça se voit que j'ai travaillé en imprimerie et j'ai été infographiste catalogue ou pas? Oui, je pense. C'est vraiment pas ça. Par contre, c'est tous les événements, c'est intéressant. Les habitants. Mais ils sont où les cas? C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors. C'est vraiment pas comme je pensais. Hein. Ah non, c'est les Miles Plus, non? Non, c'est pas les Miles Plus. Il y a des... Attendez, il y a des petites infos. Merci pour le follow, Mel. Merci beaucoup. Il y a des petites infos, alors attendez. Flower Power. Osef un peu. Ça doit être là-dedans. Non. L'amitié n'attend pas. Il n'y a pas à te mettre en veille en fait. Trésor englouti. Chaîne de Miles, donc ça avant. J'ai chaîne de Miles, mais il est où l'autre? Ah, aider son prochain. Accéder aux requêtes des résidents, page 132. Ça me plaît ça. Ça me plaît. Ok. Requêtes et événements. Chasse aux bestioles, objets perdus, tombé malade, livraison spéciale, chasse au trésor.
Et pour certains trucs, en fait, il faut que je sois bonne amie. Mais j'ai quand même 5 événements possibles, je comprends pas. J'ai rien, genre. Là, j'ai rien eu du tout pendant des jours. Je vais mettre le guide ici. Je le rangerai plus tard. J'ai rien eu pendant longtemps, genre. Je comprends pas comment c'est faisable. Aïe, purée, je me suis fait mal. Au doigt de pied. Mes orteils. Et 100% carte maille, c'est vraiment... Ah, mais c'est très long, c'est très très long. C'est pour ça qu'il faut se motiver un petit peu. Salut Nao, salut Nimab, salut Lucky, salut Erin, salut Emma. J'espère que vous allez bien. Après, même quand je faisais la déco, je m'arrêtais pour leur parler, faire leur... Ouais, donc c'est vraiment tout le temps que tu dois être avec les habitants. J'ai tellement négligé ces quêtes, j'aurais tellement pas dû. J'aurais tellement pas dû. On va devoir faire beaucoup de TT. Hein. Plus tu joues longtemps dans la journée, plus t'en as parce que tu joues, plus les habitants ont des points d'exclamation. Bah oui, c'est sûr. C'est évident. C'est évident, tu vois, mais si je veux absolument forcer le destin, je vais forcer les objets perdus ou les habitants qui tombent malades. Et si les habitants tombent malades, bah c'est forcément que... C'est forcément qu'ils sont chez eux, tu vois. Donc c'est soit je force le destin comme ça, avec ces deux quêtes-là, et si jamais il y en a un qui veut... Force-moi plutôt, non. Louche. Si jamais il y en a un qui veut me parler, bah let's go, tu vois. Oui, Erin, toujours. On va aller voir. Parce que là, c'est j'attends qu'il me demande des trucs avec les poissons, etc. On n'est pas sorti de l'auberge, je pense. Hein. Salut Tania! Comment tu vas? Par exemple, ils sont chez eux, enfin... Salut Galon! Comment ça va? Comment vas-tu? Ça va bien, Numap? Merci, ça va, ça va. C'est ami avec l'habitant, je pense qu'à un moment, il te demande de venir chez lui ou chez toi. Ouais, bah oui. Mais là, en fait, je pense que mes habitants, vu comment on leur a parlé, etc., la dernière fois, je suis sûre qu'on est au moins bon ami avec chacun. Il y a des paliers, je pense, mais je pense qu'on est au minimum, au moins un peu amis avec chacun, quoi. Enfin, on a quand même pas mal avancé la dernière fois, donc je pense qu'on est quand même pas mal amis. Mais bon. Je pense qu'on va utiliser la technique du time travel, hein. Attraper les puces, ah oui, c'est vrai, les puces aussi, ouais. Les puces, moi, je l'ai fini, par contre. Et j'avoue que les puces, par contre, les puces sont une quête d'amitié aussi. Ça fait le... Et je pense que la moitié, ça doit être les puces, en fait, que j'ai capturées. Ah, il fait à manger. Bon. Moi, on va avoir peut-être des plans de craft, hein, qui sait. Tu peux t'aider jusqu'aux annives de tes habitants. Pourquoi jusqu'aux anniversaires? Pourquoi en particulier les anniversaires? Salade de carottes râpées. Ça, je crois que je le connais pas. Salade de carottes râpées. Let's go, c'est bien, on améliore. Ah, let's go, la dame, elle vient de mettre il y a 7 minutes ma console au point relais, super. Yes, il y a tout qui va bien là. En espérant qu'on arrive à passer... Franchement, honnêtement, objectif 100 aujourd'hui. Si on peut faire mieux, évidemment que ce sera mieux. Mais objectif 100, c'est déjà vraiment bien. Alors, c'est salade de carottes râpées. Eh ben super, je suis ravie. Allez, on valide ça. Quand on donne un cadeau, ça marche aussi. Non. Non, ça marche pas. Je suis à 95. Pour leur anniv. C'est vrai? Parce que ça, les cadeaux là ne marchent pas. Même les cadeaux emballés. Annie, ça marche pour fête d'anniversaire. Après les gars, franchement, au point où on en est, on peut essayer. Hein. Philibert, sa maison, elle est... J'allais dire, elle est moche. J'allais dire qu'elle était moche, sa maison. Je suis toujours à 95, donc ça fonctionne pas. En vrai, non, c'est un peu mimi. Ça a un certain style. C'est chou. Relolo. Écoutez, en vrai, on peut tester. Il faudrait qu'on regarde l'anniversaire de chacun de mes... Pardon, je vous ai tapé, j'en peux plus, je vous tape tout le temps. Je vais regarder l'anniversaire de chacun de mes habitants. Je crois que normalement je peux regarder sur l'appli. Je les ai rentrés, mes habitants, non? Mes villageois préférés. Ah mince, je les ai pas mis. Alors attendez. J'ai Robert qui est chez moi. On a Miglou, Marine...
On a Rena. Je connais pas leur anniversaire à tous, donc on va faire ça comme ça. On a Cube. Écrit Cuve. Je suis pas sûre que ce soit ça. Caro. On a Pachi. On a Zinzin. Faut les emballer les cadeaux ou pas? Robert c'est bon. Joseph. Et Philibert. Il y a deux L, c'est ça? Comment t'écris Philibert? Ah, c'est un F, j'ai mis PH. C'est un F? Philibert, son anniversaire, c'est le 3 mars. Le 6 mars, pardon. Robert, c'est le 1er janvier. Salut Limon, comment ça va? Bonne année à toi aussi. Meilleur appli, vraiment, meilleur appli. Fais le fils dans ma chambre. Bah alors, Numap. Perlimpinpin, il m'a sorti. Le jeu, je vais mourir. La Perlimpinpin, quoi? Tu joues à quoi? J'ai pas compris. Salut Souk, comment tu vas? Dans le train de Wi-Fi. Ah mais dans le train, oui. Salut Potiron! Comment vas-tu? Bon après-midi Charline! Philibert, c'est... Bah ouais, Philibert, c'est un peu moche, mais c'est comme ça qu'on écrit prénom de base. Je faisais, c'est que je donnais des cadeaux, je ne te rappelais plus ce qu'il y en a. Peut-être pour les poissons et insectes, et quand ils veulent aller chez moi, ou l'inverse, ça marche quand même. Ça oui, mais les cadeaux, je suis pas sûre du coup. Faut qu'on teste pour Robert, c'est le 1er janvier. Alors je fais le tour quand même de l'île, pour voir s'il n'y a pas un objet au sol. Bon, il n'y a personne qui est malade. Par contre, il faudrait que j'achète des remèdes, alors on va en prendre, comme ça au moins on en aura. Je suis malade, non? Oui, je suis passée vite fait en l'orque, j'ai vu tu streamer tout à l'heure. Je suis passée vite fait. J'ai remonté une perle, il m'a dit. Ah putain. Non mais Lolo. Une perle à pimpin. Alors, on va prendre du coup des remèdes, on va en prendre 5. On va prendre 5, ça va prendre 10, allez, on va prendre 10. Allez, allez, soyons fous. Alors, ça te fait des points d'amitié, mais je pense que plus tu en as, plus t'as des quêtes. Vous pensez que l'amitié, ça joue sur les quêtes ou pas? Combien il existe de plans de craft? Oula, ouf, beaucoup, je pense. On fait le tour pour voir s'il n'y a pas un objet perdu. Ça va qu'il est rasé, du coup on voit bien quand même. Par contre, il faudrait vraiment courir perso. Je pense, oui. Sur les quêtes, sûrement, oui. Ok. Bon, dans tous les cas, on est quand même pas mal amis. Après, ne serait-ce que leur parler tous les jours, ça augmente la quête. Enfin, ça augmente l'amitié avec eux. Hein. À savoir aussi. Ça va être complexe. Hein. On doit faire tout le tour comme ça tous les jours. Oh là, ça va être long. Ça va être très long, les amis. Il n'y a pas l'air d'avoir d'objets perdus. En général, on le trouve assez rapidement. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Non, flemme. Ouais, les objets perdus, ça marche. On a vu dans le guide que ça fonctionnait. Bon, pour l'instant, il n'y a rien. Pas d'objets qui traînent. Écoutez, je propose qu'on aille voir. Et on va regarder, parce que dans ce cas-là, on va faire juste les anniversaires, si ça fonctionne, les cadeaux d'anniversaire. Mais c'est pas écrit dans le guide. Donc on va regarder. On a de la chance d'avoir Robert qui est né le 1er janvier. Salut Tétéane, salut Moujmounéa, salut Gibril, comment ça va? Non. Merci. Pas sûr que ça fonctionne. On va tester au moins, on saura. Hein. Au moins, on saura. En vrai, ça pourrait fonctionner. Mais au moins, on en aura le cœur net, comme ça, on saura. C'est pas très loin, au moins, comme ça, on part du 1er janvier, puis on time travel chacun des jours. Cohen, c'est mal écrit, c'est vrai, c'est vrai. Jibril, c'est gentil, mais non. Arrêtez de me proposer des trucs, s'il vous plaît, parce qu'on va pas s'en sortir si tout le monde me propose des trucs. J'ai besoin de rien dans le jeu.
quand j'ai besoin de quelque chose, je vous le demande. En général, c'est un catalogue d'objets ou vraiment des objets qui sont que je peux pas commander. Mais je vous demande relativement jamais de choses dans les jeux parce que je fais tout par moi-même. Je me démerde tout le temps et j'aime pas vous gratter. Vous inquiétez pas, ça fait 4 ans bientôt que j'ai Animal Crossing, ça fait 4 ans que je farm, je suis en 100% du jeu, presque, je suis presque 100% du catalogue. J'ai vraiment besoin de rien du tout, que ce soit des clochettes, des tickets, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est gentil, mais je refuse vos propositions. Merci, mais j'ai pas besoin. J'ai tous les objets en plus. Mais oui, bien sûr. Merci à vous. Merci. Salut, Lynn. Non, pas du tout Lynn, Liv. Livin with Lia. Salut, comment ça va? Et salut, Axel. Il faut faire un effort, vraiment. Des fois, de temps en temps, il faut faire un petit effort. En effet. Après, en général, quand tu arrives sur un stream et que tu proposes ce genre de choses, c'est que tu connais un minimum le créateur, tu vois. Tu t'es un peu renseigné. Mais bon. Alors, faisons le tour. Donc, c'est l'anniversaire de Robert aujourd'hui. Et c'est la musique du premier de l'année, j'adore. Voyons voir du coup si on n'a pas un objet perdu au sol. On va aller faire le tour pour voir s'il n'y a pas des habitants malades aussi. On va aller regarder ça. Ouais, c'est ça, Imim. Falloir que je vois, faudra que je regarde avec Avandor qui m'explique comment on fait. Mon sauveur hein, qui m'a dit que ça existait. Ouais, il y a sûrement un mot bloqué. Comme le mot thème ou dodo code, potentiellement, qui sont bloqués. Alors on a Pachi, on va quand même lui parler. Merci Ota pour le follow. Et salut Clo, comment ça va? Oui c'est bon Potiron, je l'ai trouvé et la dame, enfin je l'ai acheté hier, elle a accepté ma proposition hier en stream. Du coup je l'ai acheté hier en stream et là elle vient de me l'envoyer il y a 15 minutes à peu près. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Et Maïvou, coucou, merci beaucoup pour le Prime. Merci pour ces 6 mois de sub, c'est énorme. Merci beaucoup, coucou. J'espère que tu vas bien. Merci Clo pour le follow aussi, ça va très bien, merci. Pourquoi ils sont bloqués? Alors ils sont bloqués parce que j'en ai marre des gens qui débarquent et qui me demandent mon dodo code et qui me demandent mon thème. Alors que quand j'ai le thème, quand le thème est choisi sur mes îles, il est indiqué dans le titre depuis maintenant plus d'un an. Non, ça fait un an, sinon plus d'un an, parce qu'on a fait ça au tout 1er janvier de l'année dernière. On a toujours mis le thème de l'île sur laquelle on était dans le titre, donc en fait ça fait juste me répéter genre 20 fois par live, même peut-être plus, pour redire le thème alors que le thème est écrit dans le titre, il faut juste le lire. Là en l'occurrence, il n'y a pas de thème dans le titre, c'est parce qu'en fait on est sur aucun thème, il n'y a pas de thème de choisi, et que je ne sais surtout pas vers quoi on va aller par la suite. Non mais trop mignon! Exclamation. Voli, c'est quoi? Je vais la faire là. Je vais finir par la faire. Voli, fais-la! Tu add command et tu la mets. Salut Jade, non t'inquiète, y'a pas de soucis. Oui, je t'ai apporté un cadeau. Alors c'est pas emballé mais tiens, avec un pull avec écharpe écossaise. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas comment ça marche. Faut que tu mettes le nom de la commande. Je crois que c'est tout attaché. Add command, tu mets add command attaché, espace le nom de la commande et espace le texte, je crois. Ça a fonctionné ou pas? J'ai pas entendu. Je crois pas, hein. Merci pour le follow, merci beaucoup. On va regarder. Mais je... Non, ça marche pas, les cadeaux aux habitants. Ça marche pas non plus. Donc c'est point d'exclamation, faut que tu mettes devant lire, peut-être. Add command, lire. Peut-être que c'est ça. On va tester, faudra qu'on retrouve, hein, de toute façon. Et ça va, Maïvou, merci. Je suis toi, team rediff, c'est pour ça. Ah, c'est donc ça. Pourquoi ça surprend? Est-ce que ça a marché? Normalement, il te dit, non? Mais je sais pas ce que c'est, alors. Où il y a peut-être un espace? Attends, vous lisez, c'est quoi? Je vais l'ajouter à la main. Je copie. Je vais le faire, parce que... Pour exclamation lire. Conclusion, lisez. Vraiment, Voli qui galère là, le pauvre. Alors, point d'exclamation. Lire. Lior. Lire. Modo. Moderator. Groupe. Dedans à CNH.
Attends, je rajoute un point. Ah mince. Parce que t'as pas mis de points à la fin, Voli, c'est aberrant de pas mettre de points, mais bref. Normalement, c'est bon. Salut Cassandre, salut Simba, salut Hello. Ok, donc, ça n'a pas marché pour le cadeau d'anniversaire, malheureusement. On va continuer à parler à tous les habitants. Merci, je pense qu'ils vont nous dire juste ça. Merci Nob, merci beaucoup pour ton sub, trop gentil. Merci, merci, merci pour le soutien. Chouchou en approche, et B, ça commence bien aujourd'hui. Cette fada, hein, vous. Salut Sabou, je t'ai même pas dit bonjour, je crois. Merci beaucoup pour le sub, merci pour vos subs, ça fait trop plaisir. C'est beau hein, de voir les émotes de New Sub comme ça, franchement elles sont belles. Hein. Elles sont belles, elles sont belles. Vous représentez bien ces émotes finalement. Oh, le train il est repassé en rose, trop mimi. Je l'ai en rose, il est chou sur la tablette. Joseph, salut. Bonne année. Ouais, bonne année. Bon, du coup, c'est bon, Voli, je l'ai faite. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Je viens de te dire, attends, je l'ai fait. Tu m'as pas entendu? Il était trop. Mais putain, mais je comprends pas pourquoi ça marche. Il a pas entendu. Abattu. Voli, non, c'est toi qui l'as fait. C'est une petite boutade pour voir comment t'allais réagir. C'est une petite boutade, tu sais. C'est toi qui as fait. Alors, on va aller voir là. On a été ici? Non, je crois pas. Wastebot, t'es mort. C'est pas Wastebot, c'est la PAM. C'est cute ami qui les dessine. Oh, y'a Bébou. Non, mais là, il va me... Bah, je pourrais pas trop interagir, là. Mais c'est Mimi, Mimi. Par contre, ton chez-toi, faut vraiment qu'on le refasse, parce que là, ça va pas. Je crois que c'est moi qui l'avais fait, d'ailleurs. Le pack complet, vraiment. Plus point d'exclamation qu'il y a. Non, c'est vrai que des fois, il y en a qui vraiment sont dans l'abus, quoi. Il y en a certains, je vous jure, ils lisent rien du tout, quoi. Et c'est hyper frustrant. Parce que, en fait, moi, je passe mon temps à me répéter et je stream tous les jours, donc je sature. Touche-pied, alors, le touche-nez. Le touche-nez, c'est aux heures miroirs. Donc, par exemple, 10h10, 11h11, 12h12, etc. Et le touche-pied, c'est la minute d'après quand tu le loupes l'heure miroir. Donc à 11h12, 12h13, 13h14, 14h15, tu vois. C'est quand tu loupes le nez, voilà. Ça a recommencé au début de live. De quoi, Roulia? Quoi qui a recommencé? Non, alors là, aujourd'hui, ça va, c'est bien, là. On est bien, je trouve. J'adore le rose. Ah, tu penses que c'est ça? Vas-y, teste, hein, fais ta vie voler comme ça, on sait. Rose. J'adore le rose. Ah, c'est une commande vocale, c'est moi qui le dis, je crois. Nike, ah ouais, la marque et tout. Ah ouais, sympa. Loser. Kamkam, attention, tu peux te faire supprimer ici. Bon loser. Pauvre Voli. Il va se faire martyriser par les viewers comme ça. On a testé le ad comment, ça marche pas. Salut Hello, comment ça va? Bon, on va time travel d'un jour. Écoutez, on n'a pas d'objet perdu, il n'y a pas d'habitants malades. Les anniversaires ne fonctionnent pas. Tant pis, ça... C'est normal. C'est gentil Daisy, mais mon île, elle est rasée. Il n'y a rien dessus. Elle est moche, là, il n'y a rien. Elle est vraiment rasée. Salut Valentina, comment ça va? Salut Manologue. Comment allez-vous pour ceux qui arrivent? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait les magasins, je pensais à toi avec tes pulls tout doux. Ah, t'en as trouvé? Un autre cool. J'avoue que tous les magasins où je vois des petits pulls ou des trucs, même si j'en ai pas besoin. Même si, genre, je trouve des petits pulls et trucs qui sont trop mimi, je suis là en mode, je suis obligée de les toucher. Genre, tu sais, les trucs tout doux là. Je me sens obligée de les toucher pour voir à quel point ils sont doux. Mais c'est un peu chiant parce qu'après, une fois que tu les passes beaucoup à la machine, ces pulls là, ils ressemblent plus à rien. Genre, ils sont un peu moches quoi. Un peu froid, mais j'apprenne tout le plaid. Oh! J'adore le rose, what the fuck Voli. Le tuto fonctionne pas. Mais c'est Streamlabs chatbot Voli si jamais. C'est peut-être pas le bon truc que t'as regardé. Salut Lila. Comment ça va? Bonjour à ceux qui arrivent aussi sur TikTok, j'espère que vous allez bien. On est en train d'essayer de réussir la quête, aider son prochain. Il faut faire des mini-quêtes, des requêtes d'habitants. Mais on galère parce qu'ils nous en donnent pas. Du coup, on est un peu dans la galère, en fait, et on teste, on fait plein de tests, on regarde du coup time travel pour faire la quête de l'objet perdu, et potentiellement aussi la quête
La quête de... Si jamais on trouve, hein, évidemment. J'arrive pas... Pourquoi je suis cassée comme ça? Okay. La quête de... La maladie, que les habitants soient malades. On essaye. Ça va être très long, mais... Que des égoïstes, les habitants, vraiment. Ce serait cool de refaire les maisons des habitants. Faire des boutiques pour les thèmes urbains. L'intérieur, tu veux dire? En vrai, ça peut être sympa, ouais. Après, moi, j'aurais la flemme, honnêtement, mais... Ça peut être un objectif, ouais. J'ai un manteau en fourrure si doux que tous mes amis le caressent. C'est un gros. Mais vraiment, j'en avais un aussi. J'avais un manteau tout doux comme ça. Et je l'ai passé à la machine. Laisse tomber, il ressemble plus à rien. Robert, merci d'être venu à ma fête d'anniversaire. Je t'envoie un petit quelque chose pour te dire merci. J'ai bien abîmé ton cadeau. Aimé, pas abîmé. Ah, comment on efface? Et il y a vraiment Joseph, il m'a fait la même lettre il y a 2 jours, quoi. Voilà. On a fait l'anniversaire de. Mais Joseph et. Et Robert, ils sont nés vraiment en même temps ou quoi? Par contre, ça, je trouve ça un peu triste que, genre, ils nous envoient des cadeaux pour nous remercier d'être venus à leur fête. Enfin, je trouve ça louche, genre, c'est moi que dois t'offrir des cadeaux. Faut mettre des majuscules. C'est ça le problème. Ça me dit pas que c'est juste ça. PDF. Ah, c'est vrai qu'il y a un PDF, ouais. Une commande cookie qui sort de nulle part, genre. Mais je pense qu'elle est que pour les modos. Enfin, je sais pas comment on peut l'utiliser. Salut Ellie, salut Athéna, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous voyez un objet perdu que j'ai loupé, vous me dites, hein. Parce qu'à tout moment, je le vois pas. On va aller voir chez les habitants maintenant. On a Philibert ici, on va lui parler. Ok, c'est le bonjour. On va aller là aussi. C'est chez qui ça? Je sais même pas chez qui c'est. Bouga bouga. Ah putain. Pourquoi plus R? Blablabla de la Pookie. Salut Rose, comment ça va? Du coup il m'a dit quoi lui? J'ai même pas lu. Faut que je leur parle 2 fois, je pense. Faut que je leur parle 2 fois, non? Ça prend un moment pour cette carte de maïs, mais vraiment louche, je te jure. Je suis à ça d'être en train de faire un burn-out. Vous créez plein de commandes. Ah, mais c'est pas grave, Zabou. C'est bien, non, mais c'est bien qu'ils sachent au moins comme ça, quand on a besoin, ils pourront en créer. Merci, en tout cas. T'inquiète pas. Ah non. Reteste en vrai, non, non. Des fois, ils galèrent un petit peu à te dire un habitant pour échanger. Mais reteste en vrai. Salut, Caro. Libérer les prisonniers. Oh non, ce serait long. Ce serait long. Demain, il y a la nif de Joseph. Salut, Barache. Comment ça va? PLS devant ma carte, elle est lente. Non, mais vraiment, c'est super lent. Non, mais après, je comprends, hein. Ceux qui ont vraiment bien avancé dedans, c'est les personnes qui ont vraiment toujours archi joué en mode gameplay. Moi, vous voyez, c'est ce que je vous avais dit, hein, je vous avais expliqué ça, c'était sûr que ça allait m'arriver un jour. C'est que, en fait, moi, je suis vraiment une joueuse décoration. Donc, les habitants, je m'en fous, quoi. Tout ce qui est photos, etc., les quêtes des habitants, je les faisais jamais parce que, bah, je faisais de la déco, moi. Et c'est là, maintenant, vous voyez où je regrette parce que j'aurais dû les faire, je serais peut-être à genre 200, tu vois. J'abuse peut-être pas 200, mais au moins 150. Et pourtant, je sais que j'ai joué pendant des heures et des heures à ce jeu, hein, mais bon. On va voir, hein. Ouga bouga. Vous deux, là. Oh, mais son chapeau, faut vraiment qu'il arrête. Hein. C'est moi qui lui ai offert. C'était une idée de merde. C'est quoi la recette? J'ai pas vu. Merci, Brice, pour ton follow. Salade de fruits de mer. On va noter aussi sur l'appli. Hein. J'avance bien, hein. Je suis à 800 plants de craft. Salade de fruits de mer. Aux fruits de mer. Je l'avais pas non plus. On est à 800 sur 940, donc il nous en manque plus des masses en vrai. Il y en a quand même beaucoup qu'on n'a pas, mais je pense que la plupart c'est de la cuisine. Pour beaucoup, beaucoup, c'est de la cuisine. Et c'est cool qu'il me donne un peu le reste là. Hop. C'est quoi ce chapeau, Miglou? Non, mais regardez pas. Je pense que vous devez pas regarder, c'est pas bien.
Oompa Loompa. Je suis bébé de fou. Oompa Loompa. Salut Joseph, demain c'est ton anniversaire, t'as prévu quoi? Trop mignon, il a vraiment des maxi sourcils. S'il avait pas ses sourcils, genre là il est trop chou. S'il avait pas ses sourcils, il ressemblerait à rien quand même. Hein. Il aurait un visage si vide. Le pauvre. Salut Marine. Il me manque 3 badges de bronze. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les badges. Mais par exemple, tu vois, sur ASNL, les trucs chiants, c'était le street pass. Tout ça parce qu'en fait, tu peux pas faire un 100% badge si t'as pas ça en fait. Mais c'est pas ta volonté, tu vois, c'est pas ton ressort le street pass. Ça, c'était chiant par contre. Robert, on l'a fait hein, déjà. Hein. Je lui redemandais. Une fois, j'ai offert à une habitante une tenue de cantinière. Elle la met tout le temps. Oh non. Mais c'est vrai, moi aussi, j'avais des trucs comme ça avec les habitants. Tourte aux légumes. Je sais pas comment je fais ça. Ça fait des semaines que j'ai pas mangé de tourte aux légumes. C'est trop bizarre. Mais c'est ce que je lui ai donné hier. Enfin, pour son anniversaire, le pull là-bas, il l'a mis dans sa déco. Il est beau par contre, hein, franchement. C'est peut-être pas la belle couleur pour lui, mais... Moi, je sais, Lilou. Je l'ai pas ramassé, mais parce que Osef un peu, mais... C'est l'enfer, il faut 3000 rencontres Street Pass pour avoir l'or, je crois. Non, mais tu te rends compte? 3000 rencontres Street Pass. Il y a des cadeaux un peu partout, je les ramasserai plus tard quand on fera un peu de tri. Alors, bon, les cadeaux. On va regarder de l'autre côté, là-bas. Il y a Zinzin, on va lui dire bonjour. Ça marche que pour les modos, les commandes, par contre. Je vais pas vous les mettre random, sinon ce serait trop le bordel. Écoutez, il n'y a pas d'objet perdu, j'ai l'impression. Il n'y a rien, genre là, j'ai l'impression que c'est vraiment la dèche. Écoutez, journée suivante. Qui plus est serré, en effet. Salut Infinity, comment ça va? Merci pour ton follow. On va aller au 3. Je suis saoulée qu'on ait rien là. Elle va être très longue cette quête. Hein. Je sais pas comment on va faire. Hein. Mais oui, Maëlie, franchement, moi j'adore. Hein. Non, c'est pas Maëlie, c'est Millie. Millie ou Mélie? Excuse-moi, j'ai mis un A à la place d'un DE. C'est Millie ou Mélie? Comment je dois le prononcer? Que je me trompe pas. Mais moi j'adore, franchement, jouer devant des streams, ça me motive tellement à avancer dans ma partie. Mais ce week-end il va faire archi froid apparemment. Juste avant de venir en live, j'étais sur la rediff de Sims. Moi c'est sûr, ah, c'était marrant ça. C'était drôle, c'était bien amusé quand on avait fait ça. Je trouvais ça marrant de les faire tous KO, enfin être mort par la moisissure. C'était un peu long par contre, ça prend genre 3 heures avant que ça apparaisse et tout, mais c'était marrant. C'était marrant. C'est un peu genre des Hunger Games, tu vois, mais version moisissure. Mélie, ok, ça marche, parfait. Ouais, c'était marrant, ouais, c'était drôle en vrai. Est-ce que chez moi il y a moyen qu'il neige alors qu'on déménage ma soeur? Ah non. C'est français qu'on déménage ma soeur? On fait le déménagement de ma soeur, non plutôt? Non, c'est pas ça qui se dit? C'est quoi ça encore? On m'a encore contesté là, TikTok. C'est quoi ce leur problème? J'en ai trop marre. Ils ont un réel problème avec ça, hein, TikTok. Hein. Oh là! C'est une angoisse. Ils me restreignent tout le temps. J'en peux plus. Et je comprends pas pourquoi en fait. Bon, écoutez, tant pis. J'ai fait une contestation, on verra. Ils vont encore me dire non, c'est pas bien. Ça y est, ils me font chier à chaque fois, là. Marie avec son petit gilet. Non, mais adorable, son petit gilet est vraiment trop mimi, par contre. C'est l'anniversaire de Joseph, bon, c'est du coup. Et hors 1000. Ah ouais, c'est excessif. Même sans rencontre Street Pass, Lolo, enfin...
fallait faire des... En fait, fallait aller dans des conventions au Japon. Là, tu rencontrais des trentaines de personnes à la ronde, tu vois, mais... Maintenant, ça se fait plus trop. Merci pour le follow. Je sais pas qui a follow, mais merci. Julia. Julia, merci, Julia. Salut, Rudy. J'espère que tu vas bien. Donnez-moi des trucs à faire, s'il vous plaît. Salut, June. J-peps, quoi, mes habitants, là. Ça va, merci. Je suis en train de tester d'avoir des quêtes, mais... Les objets perdus, vous savez à quelle fréquence ils apparaissent? C'est pas genre un par semaine? Salut Shirley, comment ça va? C'est pas un seul par semaine? Moi j'ai l'impression que j'ai des habitants jumeaux tellement ils disent tous la même chose, mais je te jure. Bon, c'est l'anniversaire de Joseph, alors attendez, c'était quelle page le truc qu'on avait lu? 123 je crois. Oh, le sol, vraiment, je peux canner. On a fait 5 fois son anniversaire à Joseph, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. 113. C'était quoi le numéro de la page? 131. Ah oui, c'est ça. Alors, objets perdus. Voyons voir ce qu'ils disent pour les objets perdus. Est-ce qu'ils ont... Ils mettent des trucs en plus. Si vous apercevez un jour un livre ou un petit sac par terre, ramassez-le, il appartient à un résident. Trouvez son propriétaire et rapportez-lui l'objet pour forger, pour renforcer votre amitié. Si votre amitié d'amitié est suffisamment élevée, observez l'objet de plus près et essayez de deviner à qui il appartient. Le mystère persiste, vous verrez simplement un message, quelqu'un a perdu ça. Commencez par les habitants à proximité de l'endroit où vous l'avez trouvé, où vous avez trouvé l'objet. Si vous trompez, on vous dira qui aller voir. Si vous êtes ami avec la personne concernée, celle-ci vous demandera peut-être de chercher l'objet perdu. Si vous l'avez déjà trouvé, il suffira de lui rendre immédiatement. Ramasser l'objet équivaut à accepter la demande. Pensez à le remettre à son propriétaire avant la fin de la journée, sinon vous garderez en poche. Il n'y a pas d'indication sur ça. C'est un peu nul. Oh, l'odeur du livre, j'adore. La meuf est en train de se droguer à l'odeur de livre. Excessif comme comportement. Salut Aurélie. Comment ça va? Je sais plus quoi lui donner. Elle tient pour une tenue de comique. Mais ça va être horrible. J'aurais dû lui emballer. Ça aurait été un super cadeau d'anniversaire. Et salut Cup, je te parle aussi. Comme ça, hop. Merci Johanna pour le follow et bienvenue. Comment tu vas Aurélie? Tu vas bien? Ah et merci Charlie, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Salut Claclou aussi, je t'ai pas dit bonjour, salut à ceux qui arrivent, salut Lérine. Salut tout le monde, désolé si je vous loupe. Ça va bien, merci, j'espère que toi aussi Johanna. On est en train de galérer là pour faire les quêtes de... d'aider son prochain, tu sais, je sais pas si tu vois les quêtes là, elles sont super longues à débloquer. J'ai un peu piou. Je ne trouve pas d'objet perdu. Je n'en trouve pas, je n'en trouve pas. Il y a vraiment un problème, Joseph. C'est sa phrase, je crois. C'est quoi ces quêtes? Bah, c'est genre l'objet perdu, quand ils sont malades, etc. Quand ils demandent d'aller chercher un poisson, un insecte. C'est les quêtes là, tu vois. Salut Greno, salut Pyrus. Comment allez-vous? Rina, tiens, tu veux pas me demander d'aller chercher un bousier par exemple? Il y en a un derrière. Tamine, c'est trop que j'ai faite. C'est moi qui l'ai faite, trop mignon. Bon, ils veulent pas. Là, il y a deux habitants chez eux, on va aller voir. Et derrière, peut-être qu'ils sont chez eux aussi, il faut aller regarder. Politesse. Politesse, vraiment. C'est Joseph, hein. C'est un enfer ces quêtes, hein, mais laisse tomber, j'aime pas comment on les débloque. On fait comment pour faire en sorte qu'un objet soit perdu? Bon, en fait, c'est aléatoire. Du coup, ça arrive une fois tous les... je sais pas combien. Du coup, c'est un enfer, il en faut 300 au total. Oh, bibliothèque en bois, c'est bien ça, je l'avais pas sur une autre île. C'est bien ça, je l'avais pas sur Altea, pas Altea, sur Lubi, il me le faudra. Donc, je pourrais me l'envoyer. Je vais même pouvoir me l'envoyer par la poste, comme ça ce sera bon. Trop mimi quand ils mettent les vêtements qu'on a créés, mais j'adore. Je trouve ça trop mimi. Trop choupi quoi.
Je suis contente, là, le plan de la bibliothèque en bois, purée, tout le monde le galère à l'avoir, celui-là. Salut, Coucloé, comment ça va? Bon courage, merci. J'ai envie de canax. Oh, purée. Je t'ai connue sur TikTok et je trouve trop cool. T'as mis sur ta... Oh, c'est gentil, Otam. Moi, je viens de YouTube, de base. Je viens de YouTube, je suis youtubeuse Animal Crossing. Enfin, à la base. Depuis un temps, je n'étais que youtubeuse Animal Crossing. Après, je suis passée sur Twitch et je suis passée sur TikTok assez récemment et j'ai un petit buzz dans la communauté Animal Crossing avec mes petites vidéos, là. Je pensais pas, mais ça m'a un peu étonnée. Et du coup, bah, y a pas mal de personnes qui débarquent et qui me découvrent un petit peu sur ça, donc ça fait plaisir. Bienvenue à toi, en tout cas. Ce plan est trop galère. Ah, vraiment. Heureusement que je l'ai, là, parce que j'allais galérer. Je suis contente, en vrai, de l'avoir en aléatoire, comme ça. Oh. Oh, je crois qu'il voulait que j'aille pêcher une limande. Ça, par exemple, ça compte pas dans les quêtes, ça me saoule. Ça devrait compter, ça. Faire 300 fois les trucs, je sais pas comment je vais me démerder. J'aurais bien aimé qu'il me débloque des quêtes en plus. Ça aurait été trop bien. Je vais aller me l'envoyer au moins comme ça c'est fait. L'aéroport, c'est par où? C'est par là. Hop. Je vais m'envoyer en carte. J'ai pas d'objet perdu, hein. J'ai rien. C'est pas mal de gens, Gwen. Au moins, grâce à toi, les gens arrivent à connaître le jeu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a qui découvrent un peu plus loin. Je suis tombée sur... Hier soir, je regardais mes commentaires sur TikTok. J'ai envie de pleurer, quoi. Je suis tombée sur quelqu'un qui disait... mais tu sais, de manière en mode... Waouh, t'as fait tout ça. Moi, ça fait un an que je... Enfin, ça fait genre 2 ans que j'ai le jeu, 2 ans que je joue. Et je suis toujours dans l'attente. Et j'étais là en mode, mais... Comment c'est possible? Donc je réfléchis, je me dis, mais en fait... Enfin, vous jouez pas au jeu. Enfin, certains jouent vraiment pas au jeu, quoi. Et j'étais vraiment en mode hyper interloqué, en mode, mais qu'est-ce que... Et ça m'a vraiment... J'ai même pas les mots, en fait. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai même pas les mots, je trouve ça tellement ahurissant. Comment ça, ça fait 2 ans que tu joues et t'as encore l'attente? Genre vraiment j'étais là en mode bah va regarder mon tuto parce que là t'es un petit peu en retard quoi sur le jeu. Bah, vraiment genre j'étais un peu... Après bon, je comprends que les gens peut-être ils soient en mode hein, c'est un peu dur et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais je comprends rien au début du jeu et tout. J'étais là en mode mais y a rien à comprendre, faut juste faire ce que Tomno qui te dit de faire. C'est vraiment aucun effort de la part de certains et ça m'a vraiment... Je sais pas, ça m'a bouleversée. Mais genre, pas bouleversée en mode je suis bouleversée. Genre, ça m'a bouleversée en mode je suis un peu choquée qu'il y ait des gens qui soient autant en galère sur Animal Crossing. Enfin, choquée, je sais pas si choquée c'est le bon terme, mais je suis hyper interloquée en fait qu'il y ait des gens qui galèrent. Le jeu est Peggy 3, quoi. Non, mais c'est, voilà, c'est Peggy 3, tu vois, et vous, donc. Et puis c'est pas compliqué, tu vois, Tomno qui te dit quoi faire. Faut juste lire les dialogues, faut juste. Enfin. Je sais pas. Je suis. Je me pose vraiment des questions des fois. Hein. J'arrivais à faire les quêtes de Tomno, mais vraiment. Alors je sais pas si c'est juste les gens qui ont aucunement envie d'avancer et de se bouger le cul et de se dire bah, voilà. Mais la plupart des gens qui ont testé Animal Crossing et qui ont arrêté rapidement, c'est des gens qui ont rien compris au jeu quoi. Et ben je suis là en mode mais c'est quand même pas compliqué. Pareil hein, tous les nouveaux joueurs qui débarquent sur Animal Crossing, je les entends beaucoup dire bah, par exemple que je regarde les streams de personnes qui ne sont pas d'Animal Crossing de base et qui commencent à Animal Crossing et qui sont hyper vite bloqués dans le jeu. Ça, en vrai, je comprends. Une fois que t'as fini les quêtes, le remodel, etc., bah, tu sais, t'es là en mode, bah, je sais pas quoi faire. J'en ai 3 des îles, ouais, Johanna. Genre, tu sais, ils sont là en mode, bah, je sais pas trop quoi faire. Ça, je comprends, à la rigueur, parce qu'une fois que t'as fini le remodel, etc., bah, si t'as pas envie de décorer, si tu pousses pas un peu la déco sur ton île, bah, t'avances pas, quoi. Mais ça, c'est normal. Par contre, ouais, quand tu viens de commencer le jeu et que t'es encore dans ta tente et que t'avances pas, bah... Ça, tu vois, ok. Donc c'est pour ça qu'en vrai, je trouve ça intéressant de voir un petit peu... Enfin, moi, en ce moment, je passe pas mal chez... Enfin, je passe chez des personnes qui ont vraiment jamais trop joué au jeu. Par exemple, Sisourine, elle a commencé Animal Crossing, elle débute complètement. Donc elle connaît vraiment rien au jeu, tu vois. Donc elle découvre un petit peu et elle me disait, mais je sais pas trop ce que je pourrais faire une fois que j'aurais fini tous les objectifs que là, vous m'avez dit de faire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Pour continuer à jouer, tu vois, parce qu'une fois que je vais avoir ça, bah,
je vais plus être motivée quoi. Et c'est vrai que beaucoup sont plus motivés. Genre par exemple, je prends le cas de, je sais pas, genre des personnes que je connais qui ont pris Animal Crossing récemment, enfin qui ont commencé Animal Crossing assez récemment. Il y a Rock, il y a Sissou, il y a Zafi, je crois, qui reprend, qui redécouvre un peu le jeu. Il y a beaucoup de gens qui redécouvrent parce qu'ils ont joué pendant le confinement, mais ils se sont arrêtés en mode bah j'ai 20 heures, mais je sais pas quoi faire de plus. Et puis à côté, je me dis, t'as des gens comme nous, enfin, comme nous, genre. Je pense que je vous mets un peu dans mon cas au niveau déco. Je pense que vous êtes aussi des joueurs de décoration. Si vous êtes là en général, c'est que vous avez continué à jouer Animal Crossing et que vous êtes un peu des joueurs qui avancent le rail avec de la déco. Plus ou moins, hein, y a pas tout le monde, mais je me dis que genre il y a toute une partie de la communauté d'Animal Crossing qui sont jamais allés plus loin que le remodel par exemple. Je trouve ça trop dommage parce que le jeu il a tellement un potentiel que t'explores pas en fait quand tu fais juste ça. Je trouve ça un peu triste. Pour les vidéos où tu visites... c'est pendant les stream visites d'îles que je viens visiter vos îles. Il faut être là pendant les stream visites d'îles. Chloé, s'il te plaît. Est-ce que, sur TikTok je parle, est-ce que tu pourrais arrêter de, à chaque live, spammer les mêmes messages? Genre, en fait, je fais que ça, voir tes messages, Chloé, qui demandent la même chose. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pendant tout le live. C'est un peu fatigant. Où est Chloé? Non, Chloé, il est sur TikTok. Il est sur TikTok. J'ai commencé Animal Crossing sur Nintendo Lite. Ah, il va purer. Ça date en vrai, hein, pas d'âme. Salut Inès. Ça fait déjà une année. De quoi, Inès? Salut Marina, de votre passage, je t'ai même pas dit bonjour, je crois. Après bon, en vrai l'objectif principal au début quand tu commences Animal Crossing c'est finir le remodel, enfin, finir les quêtes de Tom Nook. En vrai ça t'emmène vraiment tout seul, tu vois, ça t'y emmène tout seul. Le chemin fait que, enfin les quêtes font que tu t'y arrives en fait tout seul au remodel. Par contre la maison, c'est vrai que c'est une quête supplémentaire à s'ajouter, genre le rembourser ton prêt. Ça devrait être normalement, et pour beaucoup c'est l'objectif numéro 1. J'ai time travel. Je sais plus. L'objectif numéro 1 à se donner, c'est vraiment genre de te dire je vais rembourser ma maison. Oui, j'ai été. Super, merci. Merci, merci. Le 2, c'est... En vrai, 1 et 2, ça peut être le remodel. Le troisième objectif, ça peut être le musée. Ça, c'est un objectif qui est souvent donné. Le quatrième objectif, c'est de trouver un thème et commencer ta décoration. Et de finir la déco, hein, potentiellement. En vrai, il y a plein d'objectifs à se donner, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a plein. Pourtant, c'est pas des objectifs qui sont trop compliqués ou des objectifs qui sont déconnants non plus. Tu vas remplir le musée, bah. Si tu joues en temps normal, tu le remplis ton musée. Il y a quand même beaucoup de choses à faire en fait sur Animal Crossing. Et les gens, vu qu'ils savent pas trop, ils se renseignent pas, bah du coup ils arrêtent. C'est dommage parce que le jeu il a un potentiel que bah ils découvrent pas quoi. Et c'est ces mêmes personnes qui sont archi étonnées de voir mes îles par exemple, qui en commentaire sur TikTok me disent waouh et tout, comment t'as fait pour faire ça sur ton île machin. Et du coup je suis là en mode alors. Il faut tout reprendre depuis le début, je pense que tu n'as pas assez d'expérience pour ça. Mais je peux t'apprendre. Je peux t'apprendre grâce à mes tutoriels YouTube. Il y a zinzin, vraiment il est tout seul quoi. Aménager la végétation de l'île. Ouais aussi, mais après ça rentre dans la déco, tu vois. Salut Sissi d'ailleurs, je vois que Johanna te répond, mais je te vois pas. T'es où Sissi? Ah, c'était là. Mais pourquoi j'ai pas vu ton message de bonjour? Désolée. Ah, c'était là, il y a 2 minutes. Mais ça va bien, merci. Salut, salut, salut Alex, comment ça va? Salut Symbiote aussi, salut Mélanie, salut Mathilde. Charmant là, mais je te remercie pour tes vidéos et tes streams, c'est grave motivant de trouver une youtubeuse. Ah, c'est vrai? Bon, trop cool, merci, c'est gentil. Salut Hall aussi. J'espère que vous allez bien, désolé, je vous vois pas trop. désolé, si je t'avais pas vu. Je vous vois pas trop. Coucou Linux, comment ça va? Comment est-ce? Okay. Como está today? Alors, voyons voir, on va aller voir là. Ça fait 4 ans que j'assène H et j'ai enfin trouvé lequel déco. Ah, tu vas faire quoi du coup? Et vous rendez compte, hein, ça va être les 4 ans du jeu cette année. En mars là. Enfin, on va fêter les 4 ans de la sortie d'Animal Crossing. J'ai l'impression que c'était l'année dernière la sortie.
C'est fou en vrai, je me disais pas que j'allais tenir 4 ans sur ce jeu quoi. Et pourtant il y a toujours une communauté, les gens sont toujours là. C'est fou hein quand même. Ouais, Altea est fini. Le code onirique est pas encore à jour, je le mettrai à jour quand j'aurai fini de uploader des vidéos sur YouTube. 4 ans, t'as combien d'heures sur toutes tes Switch confondues? Sur Akomun, j'ai... On va faire un calcul, mais je crois que j'étais dans les 4000. J'ai 3130 heures. Je vais noter, attendez. 3130 plus... Altea, j'en ai des heures aussi, hein, j'en ai pas mal. Hein. J'ai 1385 heures. Oh putain, je pensais pas que j'en avais autant. Plus celle de Luby. Luby, j'en ai moins, je pense que je dois en avoir une trentaine. Et encore. 50! J'ai 4565 heures de jeu sur Animal Crossing comptabilisant, enfin sur toutes mes Switch au total quoi. Hop. C'est pas énorme hein. Je trouve pas ça énorme, la première année j'ai atteint les 2500 heures. J'ai vraiment énormément joué par le passé. Merci pour vos follow. Presque 5000 en 4 ans, ouais. Ça fait, enfin ça, c'est beaucoup hein. C'est gros, c'est un gros chiffre, c'est un gros chiffre. Mais je m'attendais à avoir genre 6000 heures, tu vois. Après, bon. Ça va, non, franchement, c'est beaucoup quand même. Ouais, de fou, Oulia. J'adore, j'adore. Bonjour à ceux qui arrivent, en tout cas, et bienvenue aux petits nouveaux. Salut, Oxagil, comment ça va? On va regarder ce qu'il nous prépare de bon. Ça va en vrai. Combien? J'ai dit combien? J'ai dit 4565 heures? Ouais. 4565 heures de jeu. Donc forcément, bon, moi le jeu, je le connais bien quoi. Si je peux me permettre. Ah, purée. Salut Lorilo, comment ça va? Plat de cupcake aux fruits. Je l'ai pas ça, je crois. Merde. Plat de cupcake aux fruits. Play, j'ai écrit. Plat de cupcake aux fruits. Oh, il est trop beau ce plan. Je l'adore. C'est un de mes plans préférés de cuisine. Je l'adore, Cube. Il est trop mignon, genre. Je l'aime. C'est la dernière fois que je regarde sur Twitch. C'est très grave que tu répondes à ça. Ah, c'est la première. La dernière fois, j'ai vu. C'est la première fois. Bah oui, j'ai vu ça. Ouais, tout à l'heure, t'es arrivé avec ton premier message. En vrai, c'est fou. C'est déjà 4 ans qu'on y pense entre SNL et SNH. Il y a eu genre 7-8 ans, suivant les pays, ouais. C'est vrai, hein. Non, Claclou, j'utilise SNH Life. Combien de temps? 4 ans? Non, je stream depuis début septembre 2020. Donc, ça va faire... là, on a fêté les 3 ans, donc ça fera 3 ans et demi... bah, j'allais dire bientôt, mais pas vraiment bientôt, c'est dans quelques mois, quand même. Ça fait plus de 3 ans que je stream. On est potentiellement plus proche d'une nouvelle opus que le... sur une nouvelle console que le début du jeu. Peut-être, hein. Qui sait. Arrête les larmes, cool. J'ai hâte, franchement, d'une nouvelle console. Et j'ai hâte d'un nouvel opus. Tout à l'heure, j'étais sur le stream de Nejda. Et Nejda, elle disait qu'il y avait des rumeurs. Bon, c'est, encore une fois, c'est des rumeurs qui tournent. Mais je vais vous en faire part. Évidemment, rien de fondé, hein, c'est des rumeurs. Mais... il y a des rumeurs qui diraient comme quoi Nintendo serait en train de développer une console qui aurait la... le même prix que genre la Xbox, enfin la PS5, la Xbox la dernière là. Au niveau des specs, ils disent rien, mais je pense que ça devrait suivre un minimum pour le prix quand même. Ouais, non, moi pas non plus abuser. Et que les jeux devraient s'aligner sur les prix, donc à 70 balles, les jeux Switch, même si en vrai ça j'y crois un peu moyen. Mais honnêtement, et si... si on se mettait en tête que potentiellement ça peut être vrai, vous imaginez le Animal Crossing de... mais genre le truc mastoc qu'il pourrait nous faire sur une console comme la PS5. J'ai pas ça, j'ai acheté une PS5 la semaine dernière. J'ai pépé, je fais mon 100% Charlie. C'est trop joli. Ce serait fou. Bon après le prix et tout,
Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Les prix feraient mal. Mais par contre, une dinguerie, tout ce qu'on pourrait faire sur Animal Crossing, tous les meubles qui buggeraient pas, le multijoueur qui serait peut-être plus fluide, qui sait. Genre ce genre de truc, ça pourrait être dingue. Ça pourrait vraiment être dingue. Il est adorable, Pachi, je l'adore. Salut Flora, ça va et toi aujourd'hui, comment tu vas? Como esta? Y'a pas un objet par terre là? Genre vraiment, y'a pas un truc qui traîne là? Un objet perdu, genre un petit sac, un petit livre, je sais pas, genre une boîte de conserve, une chaussette, je sais pas, un truc. Ça peut être que les livres ou les petits sacs, de toute façon, les objets perdus. Mais là, on a rien quoi, encore une fois. Je vous jure, j'en peux plus. Salut Lorilo, comment ça va? Ça serait incroyable, mais bon, je sais pas, tu vois, après, c'est clair que le prix. Après, bon, les Nintendo, faut dire hein, aussi. Nintendo, ça a toujours été une console. Ça a toujours été des consoles qui ont été relativement familiales. Et Nintendo, il y a plus d'enfants qui ont de consoles Nintendo que de PS5, quoi. Il y en a qui ont des PS5, mais ça demande vraiment un budget qui est vraiment tout autre, hein, quand tu regardes le prix d'une Switch, contrairement au prix d'une PS5, bah, c'est quand même limite le double à PS5. Bon, ça dépend maintenant, mais... Mais bon, tu vois, c'est toujours 300-350 €. Et ce sort une nouvelle console, ce sera plus cher. Bah ouais, je pense. Et puis après, bon, la Switch, elle diminuera le prix, hein, je pense. Après, c'est la Switch, c'est une des consoles qui s'est le plus vendue aussi. Il y a combien d'exemplaires de... Enfin, la Switch a été la console qui a été le plus vendue dans Nintendo, non? Ou que ce soit la Wii ou la 3DS, je sais plus. Parce que le fait que tu t'étais de plusieurs jours, c'est pas la personne... n'aiderait pas plus à faire apparaître. Je sais pas, en vrai, Johanna. Franchement, c'est une bonne question, j'en sais rien. Non, c'est la DS. La DS qui a eu plus de... Ah ouais, quand même. Touche nez. C'est l'heure du nez. En termes de prix, ça n'a jamais été énorme. Donc, je sais pas trop pourquoi ça changeait ça. Parce que c'est aussi ce qui fait la réussite de la Switch. Ouais, aussi, je suis d'accord. Après, si vraiment ils veulent nous faire une console archi poussée, une console vraiment très fluide, bah là, c'est sûr que faut pas vous attendre à avoir une console à 300 balles. Hein. Les composants pour faire ce genre de truc, ça coûte cher. D'où le fait que les PS4... Enfin, les PS5, pardon... et les Xbox soient fluides, c'est parce que les composants font que ça suit, en fait. Dans une Switch, c'est tellement fin, comment tu veux glisser des trucs qu'il y a dans une PS5 qui fait la taille d'une tour de PC, quoi. Enfin, j'abuse. Mais c'est quand même vachement grand, tu vois. La Switch, tu peux pas mettre quelque chose d'aussi... Enfin, pas tout, enfin, tu peux pas, quoi. On a un campeur. Ah bah, c'est cassé ma prédiction camping, encore. Putain, ils sont cassés. Ok, je lance la prédiction camping... Qui est au camping? Et c'est l'heure de toucher son pied, évidemment. Tourner Zelda, c'est un exploit. Ouais, c'est vrai que Zelda, apparemment, il a l'air d'être un peu lourd, le jeu. Enfin, lourd. De galérer un petit peu. J'ai eu pas mal de gens qui galéraient un peu à tourner. Enfin, à le faire tourner. On a un habitant au campinge. Y'a pas un habitant qui veut être malade, là? Pitié, quoi. Soyez tous malades. Je t'ai envoyé la comparaison de taille, Switch à PS5. Vas-y, c'est rare, rien à voir. Tu m'étonnes que la PS5, elle fasse tourner mieux les jeux. C'est la Switch la console la plus vendue Nintendo avec 132 millions de ventes. Et la DS, il y en a combien? Le bouge de là, jamais vous. Ah, les deux, ils ont mis au même endroit. Ah oui, non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je sais pas si vous verrez bien, mais la Switch de vos lits à côté de la PS5. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. La PS5 a tellement de composants qui peuvent... Enfin, qui sont mieux dedans. Après, bon, c'est sûr qu'en vrai, une PS5, un truc aussi énorme, ça prend de la place. Hein. Après, va faire une PS5... Enfin, une Switch PS5 portable, quoi. C'est quand même quelque chose de particulier, aussi. En espérant que ce soit bien, hein. Vas-y, Lolo, mise. Misez, les enfants, misez. Faites votre vie. Switch 134 et DS 154. Ah. Donc ça se joue à quand même quelques, entre guillemets, quelques, vraiment, quelques millions, quoi. Oh non, t'inquiète, Johanna, si tu stonks, t'as une chance sur deux de gagner, le double. Enfin, le double, à peu près. Encore Miglou qui cuisine, purée. Sacré cuistot, celui-là. Tu cuisines quoi? Smoothie à la poire. Est-ce que je la connais? Je sais pas. C'est pas loin, en vrai, hein. Souci à la poire. Eh bien, écoutez, apparemment, je l'ai pas. La musique, j'adore. Souci à la poire, j'avais pas. C'est vraiment parfait. On est en train de dropper en même temps des plantes craft, donc en vrai, c'est pas plus mal.
Allez hop. Pitié que ce soit un garçon. Elle est finie la prête? Non, pas encore. Vous avez encore un peu de temps pour miser. J'ai vu qu'il y avait Rena là-bas. On va aller lui parler. C'est trop mignon, Miblou. Tu l'adores. Il y a une version portable de la PS5. Ouais, j'ai cru comprendre ça, qu'il y avait un truc portable comme ça. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est vraiment que des rumeurs hein, pour l'instant. Mais franchement, imaginez ce qu'on pourrait faire avec une console comme ça. Ce serait tellement plus fluide, tout serait tellement mieux en fait. Ce serait hyper plaisant en fait de jouer sur une console qui est fluide. Une console où il y a des jeux qui seraient forcément beaucoup plus jolis aussi. Bah, t'as voté déjà, Charlie, t'as voté pour une fille. T'as le petit 2 devant ton pseudo qui indique que t'as voté pour une fille. Rena, elle est mignonne. J'apprends. Oh, moi je l'adore, moi. C'est une de mes habitantes préférées. Je l'aime trop. Elle est trop mignonne. Mais normalement, pour voter, faut cliquer sur vos points de chaîne. Vous avez la prédiction qui est affichée. Ou tout en haut du chat, si la prédiction est affichée. Non, je dis ça, mais je l'ai pas là sur la tablette. Okay, elle est pas affichée, j'ai un bug. Dans les points de chaîne, elle y est. Ah si, par contre, j'ai vraiment aucun objet de perdu, quoi. C'est la PS5, reste en veille. Ah oui, c'est ça, tu vois. En fait, le truc, c'est ça. C'est qu'il te faut quand même la PS5 pour pouvoir l'utiliser, quoi. Donc, c'est décevant par rapport à une console. Bon, leur voli. Je vous laisse voter pour la prédiction camping, elle est pas encore finie. Non, il n'y a vraiment rien en termes d'objets. Bon, allez. Terminez les votes et on va regarder. Zouzouzou. Ouais, c'est ça, Zabou. C'est pas une console à proprement parler, quoi. Oh, c'est Fanny. Maggie, je confonds tout le temps. Et c'est une fille. Ah, Lolo, et vous qui déstonks, là. Ah là là, Lolo qui donne tous ses points, là. Lolo qui donne 20 000 points. C'est gentil de sa part, hein. C'est gentil de sa part. J'espère que vous avez bien Stonks, hein. Qui a Stonks beaucoup? Gladys, putain. Gladys, tu t'es fait combien? Tu t'es fait genre du 20 000? T'as récupéré tous les points de Lolo. Ça va, ouais, t'es pas pauvre, Lolo, quoi. 17 000. Oh, ça va, ça va. Ça slay, en vrai. T'aurais dû prendre plus. T'as pris plus, non? T'as pris du 18 000 au moins, non? Même plus, parce que t'avais misé 7000. Le coefficient multiplicateur, il est à 2,48. Donc t'as forcément gagné plus de... Ah non, de 14 000, je suis con, je sais pas compter. Donc ouais, donc c'est ça, 17 000. Non, je suis juste con, je sais pas compter. J'avais mis 11K. Ah. Aïe. Mais le logiciel a disparu. Ah purée, bonne question, ça, je sais pas du tout. Télécharge-le depuis le e-shop, peut-être que... Bon, écoutez, il y a son père encore. On va encore têter, j'en peux plus. Salut Paragus, est-ce que tu slays bien aujourd'hui? Je vous avoue, ceux qui ont gagné. T'inquiète, il y en aura d'autres. On était à la date du jour, hein, pourtant. C'est aberrant à quel point j'avance pas, c'est fou. Hein. On n'a eu aucun là. Ça fait 1h23. Ah, le shop a fermé. Merde. Comment tu fais du coup quand t'avais... Comment je fais alors? Salut Julieta, comment ça va? Tu vas bien? Ça what is slay de fou. Je me ruine sur le bon coin. Ah ouais, tu t'achètes quoi? Tu fais un petit tour de meubles, un petit tour de jeux vidéo. Tu fais quoi? Salut Yuzu, merci pour ton follow. C'est pas en l'heure, je fais des bisous. Bon stream, merci Sissi. Bon l'heure qu'à toi. Faites les jeux de mon enfant. Ça, trop cool! Et fini là, c'est grave bien ça! Trop trop cool! D'ailleurs, je vous parlais du jeu de mon enfance la dernière fois, mais en fait, je l'ai genre. Mon tout premier jeu, il est là. Je l'ai en fait, je pensais pas que je l'avais.
Chez moi? Je pensais qu'il était chez mes parents, mais il est là. Même que j'avais croqué la boîte. Je me suis dit que c'était une bonne idée de croquer la boîte. Je l'ai, genre. Il est là avec le petit catalogue. Mais c'était vraiment des petits catalogues. Voilà, il est là. Bonne lecture. Trop. Regardez la console qu'ils ont mis dedans. C'est la toute première DS. Mon frère, il avait celle-ci en grise. Elle existait en rose. Mais par contre, c'était un mastoc. Hein. Elle était trop moche, je trouve. Ah, mais il y avait toutes les races de chiens, là. Différentes races de chiens. Teckel miniature, le chihuahua, le caniche. Moi, j'avais un caniche, c'était trop moche. Mais attendez. Ça sauvegarde dans les jeux, dans les cartouches. Hein. Je me permets de relancer Dogs. J'ai la I, là. Purée, j'arrive pas à la sortir. Sors d'ici, la I. Je sais même pas pourquoi ils l'ont appelé la I, genre. Je pensais qu'elle fait des belles photos. Moi, j'en doute un peu. C'est sauvegardé sur la cartouche, on est d'accord? Oui, je crois qu'on peut y jouer, et vous, avec la Nintendo DS. Ah, c'est Ubisoft qu'on fait. On va stream dessus, je sais pas. C'est trop le jeu de ma vie, genre. Je vais juste regarder si mon chien existe. Ah, chargé. Oh ! Oh my god, regardez mes chiens. Oh, comment je l'ai... Ça, c'est mon tout premier chien. Oh putain, regardez comment j'ai écrit son nom. Éclair. C'est mon tout premier chien. Je vais m'appeler Anna. J'avais un autre chien, je m'étais appelé Camille. Pourquoi faire, je m'appelais Camille. Mais il est trop moche, regardez la gueule de mon kleps. Il est pas beau, genre, éclair. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Premier degré, c'est vraiment ma première partie de Dogs. Mais regardez, je peux pas regarder comme c'est mignon. Genre. C'était vraiment trop mims. Je suis perdue par contre, mais... Genre, c'était adorable. C'était le couloir. Est-ce que je pouvais aller dehors? Oh my god. Mais c'était trop bien, genre. Mais attendez, j'avais appelé mon chien Éclair. Vous avez vu la gueule qu'il avait? J'adorais ce jeu. On le fera peut-être pas en stream, et vous, mais par contre, je pourrais te faire un stream private. C'est juste pour toi sur Discord. J'ai pleuré, allez. Sauvegarder. Je suis choquée par contre. J'ai encore ma partie de quand j'étais petite. Quitter le jeu, oui. Non mais je suis outrée. Premier degré. C'est pas les mêmes gras. Ah ouais? C'est vrai? C'est étonnant ça. De fausses interactions, de consignes, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je conteste en fait, ça va pas ou quoi? J'ai jamais joué à Nintendo. C'est pas Nintendogs! C'est Dogs! C'est pas Nintendogs, hein! C'est pas le même jeu! Ça, c'est vraiment juste Dogs! Zzzz. Ouais, Discord, bah en vrai, moi, Discord, j'utilise tout le temps Johanna. Je suis allée de nom, mais je me suis jamais inscrite. Je sais pas quoi en penser. Bah en vrai, par contre, elle est vraiment clean, la DSI, hein. Ah, il y a juste un pixel de mort, je crois. Ah non, c'est une tache sur l'écran. Je sais pas. J'arrive pas à l'éteindre. Comment on éteint? Ah, c'est le menu home, ça. Ok. Je suis choquée d'avoir encore ce jeu, en fait. Je pensais que j'avais réinitialisé ma partie, mais vraiment pas, quoi. Mais je suis très contente de l'avoir, et je savais pas qu'on pouvait en faire plusieurs, donc je suis très très contente. Et merci pour le follow, Manon. Sims 2 DS avec les aliens, oh my god. Et ouais, du coup, je pourrais jouer de fou, en fait. Tous mes anciens jeux, enfin, tous mes anciens jeux, j'en ai qu'un seul. La main de Dogs. J'en ai un deuxième, je crois. Ah oui. Ça, c'est le banger. Aussi. Version platine.
Il vaut combien platine de nos jours là? Vraiment les couleurs de DS, ma passion. Il y en avait tellement. Moi j'avais la rose et la noire. Elle était trop belle mais c'était cassé. La rose était incroyable quand elle était neuve. Hein. Par contre quand elle est jaunie, elles ont toutes jaunies en fait, c'est un peu triste. On a 70 euros. Furée. Moi elle est vraiment nickel en plus. J'ai tous les trucs dedans, elle est remplie, elle est complète. Elle est juste un peu poussiéreuse, faudrait que je la nettoie quoi mais. Ça slay ça veut dire 50 euros mais là ça monte vite à 70, c'est vrai quand même hein. Non je le vends pas. Moi je suis trop je suis matérialiste au possible. Du coup c'est mes affaires, c'est à moi, je les garde, je les vends pas. Je suis grave. Et allez hop, je vous remets quand même parce que. Bon. Je les vends pas, vous êtes zinzin. Je les vends pas. Par contre TikTok il m'a contesté du coup. Attendez, je relance. En fait il me conteste quand je réponds pas aux messages sur TikTok. D'après ce que je vois. Il est là en mode ouais, fausse interaction, parce qu'en gros je vous parle à vous sur Twitch, mais du coup c'est pas les messages du chat TikTok. Enfin, c'est vraiment tiré par les cheveux quoi. Dans ce cas là ça veut dire que tu racontes ta vie tout seul quand il y a personne sur ton live, tu te dis bah fausse interaction, je t'enlève des pour toi, enfin c'est quoi le bail tu vois. Je t'enlève des recommandations, ça n'a aucun sens. Allez on reprend les quêtes, allez. Allez, un peu de courage les amis. On va finir par avoir quelque chose. Un jour peut-être. C'est nous TikTok, mais vraiment. Moi vous existez pas quoi. Allez. Salut Jado, merci pour ton follow. TikTok mais vraiment ça m'attire pas du tout comme. Ouais franchement si je vois Anna, t'as bien raison. Salut Cookie, ça va et toi? T'as bien raison, Johanna. Et salut à Louise au passage. Salut Tom aussi. Salut Blue Channel, je sais même pas. Et par contre, je suis étonnée. Attends, je vais regarder les. Tu m'as dit que ça avait pas les mêmes designs. DS Cats. Ah ouais. Oula. Oh wesh. Mais je l'avais, Kat! Mais si je l'avais, ce jeu! Non, je suis sûre que je l'avais, ce jeu! Je sais pas comment je peux vous montrer. Attendez, je mets mon écran parce que je vois rien. Merci pour le follow d'ailleurs, Chris. En fait, t'avais des petits chats, mais genre, c'était vraiment genre. Comme des vrais. Voilà, c'est le logo du mec. Ça y est, encore plus de logos, mon ref. Trop mal foutu son overlay, là. Je l'avais, ce jeu. Ça pionce bien. Ça, je le connais, du coup. J'y jouais quand j'étais petite, j'avais plein de petits chats comme ça. À moins que ce soit pas ce jeu-là. Non, si, c'est ce jeu. Ce meuble-là. Ce meuble là, si c'est ça, c'est ce jeu là. Si. Alors, je crois que j'y ai joué sur R4. C'était pas le même gameplay que sur la 3DS. Bonjour. Coucou Chicanari, merci pour ta 10 bits. Comment ça va? Ah, ça me dit un truc. Mais le mec c'est trop mal foutu, genre mets l'écran du haut, enfin je sais pas, inverse les écrans, non là c'était mais vas-y ça y est, ils m'ont saoulé. À être bête comme ça là. Les gens là vraiment, tu fais une vidéo, on voit rien à ton écran, l'écran où tu joues, bah il est en bas et tu le mets en tout petit. Fais un effort sur ton overlay mon ref, non je sais pas, genre un peu de respect pour les viewers qui vont regarder. Il y en a certains, ils ont vraiment rien dans le ciboulot, hein. Je vous jure. K.O. Salut Clémence. C'est la voici. Mais voilà, ça me disait bien. Mais je l'avais sur la R4, je pense alors. Salut Arthur. Il y a un souci avec la DA du beau Family Friendly. On dirait une équipe d'e-sport, vraiment. Il y a un truc qui va pas, Marvin. Il y a des trucs. Ça va pas. Et après, il va se proclamer graphiste, le mec qui a fait ça, tu sais. Souvent, ils font comme ça.
Ils sont pas très doués, mais ils se proclament quand même graphistes. Alors qu'il n'y a pas d'études ni de formation derrière, tu sais. Ni d'entraînement, apparemment, pour certains. Ok. Ah, on a Zinzin. Allez, allez, mais j'en connais, c'est pour ça que je le dis, j'en connais. Là, actuellement, on est en train de chercher... On est en train de chercher des quêtes d'habitants. Codex, le Winx, mission scientifique, j'avais deux excellents. Ça me dit rien, les jeux Winx. Je crois que je les ai jamais fait. Je crois que je les ai jamais fait. Merci Lou pour ton follow. Mini-jeu de Tecna, ça me dit rien. Je crois que j'ai jamais joué au truc là. Moi, je joue au Total Spy sur la DS. Rena Bébou. Mais il pleut ou quoi là? Ah non, c'est juste nuageux. Ok. J'aimais trop le mini-jeu de Flora. Mais bizarrement, ça me dit rien. Changer les vêtements, c'était vertical. Quand tu changeais les vêtements, c'était vertical. C'était genre. Genre comme ça? Et tu jouais comme ça? Comme. Ou rien à voir? Parce qu'il y avait. Oui, fallait tourner. Oh, c'est marrant ça. Il y avait, vous savez, là, l'application. Enfin, pas l'application, le. Mais ça s'appelait là le test du docteur, je sais pas quoi, là, qui se faisait comme ça, qui se jouait sur le côté. Ah, désolé, j'avais pas vu, Johanna. Merci pour les réponses. J'ai réponse sur la DS. Tu veux pas être malade, mon petit loulou, s'il te plaît? Ah, c'est ça le costume de merde que je t'ai donné. Ah, je suis tellement désolée, qu'est-ce que j'ai fait? Kawashima, oui, c'est ça. Fallait défendre une racine. Furie, mais vraiment? Ah non, mais t'inquiète, Johanna, vas-y, pose toutes les questions que t'as, hein, comme ça au moins t'auras les réponses. Y'a pas de problème, hein. Faut être bien de demander si vous êtes interloqué par quelque chose que vous comprenez pas sur le stream. Demandez, hein, sinon vous pouvez pas rejoindre le délire si vous connaissez pas le délire. Forcément, c'est moins pratique. Non, Charlie. C'est WarioWare, je vois à la Fnac. Ah ouais, WarioWare, je l'avais aussi, mais moi mon jeu il était cassé. Je l'avais sur la R4 en fait, et il buguait. Ma ROM était corrompue, je pense. Il buguait à un moment donné, du coup je pouvais plus jouer, je pouvais pas continuer le mini-jeu. Mais j'adorais WarioWare sur la DS, j'adorais. Mais jure, là on a tout fait. Non, mais t'inquiète pas, Johanna. Puis de toute façon, si jamais t'as des questions, le chat aussi, bah là, comme ils viennent de faire, tu vois, ils viennent de te répondre, ils t'ont expliqué le principe et tout, donc je pense pas que ce soit un souci. C'est qui habite là? Marine. T'as pas fait ça. Comment on fait pour faire des follow? Bah, faut que tu suives la chaîne. Mais t'as déjà suivi la chaîne, Charlie? Elle fait à manger, let's go. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais quoi? Plat de biscuits glacés, ça j'ai pas. Plat. Oula, voilà. Plat de biscuits glacés. Ah si, je les ai. Elle est trop mignonne. Sa robe. Tu connais déjà la recette? Bah ouais. C'est pas grave. Vous en faites pas. Ce n'est pas grave. Combinaison de pilote. Franchement, on s'en passera. Mais elle a cassé ma déco pour mettre son meuble là. Aucune Mina. Zéro. J'ai envie d'hurler. On en a eu aucune. C'est frustrant. J'ai rien, genre. Ils sont gentils, ils me donnent plein de trucs, mais j'aimerais bien que ce soit des quêtes en fait. C'est qui ça? On a fait, je crois, Caro. Je sais pas si je lui dis bonjour. Et puis les insultes, ouais, c'est ça et vous. Bon, après, le reste, les mots des giga insultes classiques, quoi. Ça va, on te dérange pas de choisir cette musique chez toi, Caro, là? T'as pas l'impression de nous déranger quand on vient de voir? Le code pour les visites. T'as détourné, Zabou. Affiré. Non, vous pouvez pas dire Hugo est trop beau. Essayez, vous voir. Essayez, vous allez voir. Ah ouais. On peut pas dire Hugo est trop beau. Avant, je savais pas que j'avais bloqué ce mot.
trop bizarre. Faut bien trouver une astuce. La révèle pas à tout le monde, ils vont tous faire ça après. Hugo, le lavabo. Ah mince, oh flûte. Hugo est trop moche, ça passe par contre. Ah, arrête, Hugo. T'as tendu la perche, hein. Ouais, Marine, elle est trop mimi. Tu fais quoi comme thème, Johanna? T'as choisi quoi? C'est quoi le bruit que je viens d'entendre? Il y a eu un truc, non? Il y a eu un bruit, là, on est d'accord? Un truc comme ça. Putain, ok. J'avais pas fait pause la vidéo en fond. Allez, casse-toi, monsieur, avec ton cadrage, j'ai horrible. Putain, j'ai trop peur. Oh la vache, j'ai super peur. Ah, franchement, et vous, même là-bas, j'en veux pas. Je me suis dit, si vous l'avez entendu, c'est pas genre un bruit que j'ai fait moi, c'était dans le jeu. C'est quoi ce truc avec sa vidéo mal tournée là? Purée, j'ai trop peur, vraiment, j'ai super peur. J'ai super peur, je me suis dit, what the fuck, c'est chez moi, c'est quoi le bruit et tout machin. J'ai trop peur. Mariana, coucou, ça va et toi? Je fais time travel encore, hein, j'en peux plus, on va jamais y arriver. Mais en fait, j'avais la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure là de Cats. Qui tournait en fond. J'avais cette vidéo qui tournait en fond. Mais en fait, le son était vraiment très peu fort. Et en fait, là, le mec, il a parlé, mais c'est un anglophone. Et vous avez les anglais. Il parle comme ça, tu vois. Et. Enfin, il parle anglophone, là. Ouais, il parle comme ça tout le temps, les anglais. Et. Il a fait un gros. Comme ça. Et du coup, je l'ai entendu. Et Hugo l'a entendu aussi. Et je vois que quelqu'un d'autre, enfin, d'autres personnes l'ont entendu aussi. Du coup, je sais, what the fuck, c'est quoi cette voix masculine dans mon oreille? Genre, je suis en train de jouer Animal Crossing, je viens de passer à côté de Miglou. Mais il parle comme ça, Miglou, je crois pas. Oh, j'ai eu peur. Je me dis les termes, je me suis chié dessus. Ah, fierie. Non, il est un peu éclaté, James. Il est un peu éclaté, j'avoue tout. Je sais pas qu'on peut avoir YouTube. Si, tu peux, ouais. Oh non. Ça attaque le mauvais Charlie, là. Après, ça pourrait être Charleline, hein, mais bon. Ah mince, en fait, c'est vraiment elle. Bah oui, c'est elle. Après, vous savez, on n'est pas des gigastars, hein. Vous n'êtes pas obligés de réagir comme si on était genre Beyoncé. Ou rien à faire. Enfin, si, après, on est des maxi stars. Vous avez raison. On est trop des stars, mais. Non, je rigole, évidemment. Bisous, Maïvou. Merci beaucoup d'être passé. Des bisous. C'est toujours que j'essaie de la faire partir, elle veut pas. Bah, faites déjà la partir avant de nous demander si on la veut. La pauvre. Elle veut pas se barrer en plus. Je l'avais déjà dit, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus. Qu'elle voulait pas partir. La grosse folle. Si c'était une star, c'est vous les stars, en fait. Bah oui, c'est vraiment elle. Bah oui. Toi, t'en es une de star. Alors, vraiment pas, quoi. On en est loin de la star. Hein. Salut, Gaudi. Salut, Katia. Je déteste cette manière que vous avez de vraiment considérer pour de vrai des gens comme des stars. Vraiment pas. Elena, je te dis que non, genre. Je suis personne, hein. Tu sais, je rôde, je pète comme toi. Je mange, je prends ma douche, je vais aux toilettes, je fais à manger, je passe l'aspirateur. Voilà, comme tout le monde, quoi. Les stars, elles font pas ça. Les stars, elles payent des gens pour faire ça pour eux. Oh, y'a la Kylix. Salut la Kylix. Salut Rion, comment ça va? Il fait moche aujourd'hui. C'est la première journée où il fait pas beau. Hop. Pachi est tout le temps dehors en train de pêcher. Genre. Il fait que ça de ses journées. Il est jamais chez lui, j'ai l'impression. Y'a pas quelqu'un qui veut bien être malade là, s'il vous plaît, dans mon jeu? On va jamais y arriver, hein. On n'a fait aucune quête. Bon, on a eu des plans de bricolage, mais. On a fait aucune quête, quoi.
Et pourtant, c'est pas comme s'il y avait pas de place pour que l'objet y spawn, quoi. C'est gentil, Elena, mais ça me met trop mal à l'aise quand on me dit ça. Pachyderme, je voulais trop la... Pachyderme. Le correcteur, vraiment, Charlie, il te réussit pas aujourd'hui. Ça pas, tu souhaites la maladie aux autres, comment ça? Ah, aux habitants. Faut pas tomber malade sur la... que je viens de vous soigner, évidemment. Avec un seul remède. N'hésitez pas, en tout cas. Il est vraiment chargé, pourtant. Bah ouais, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas, Sia, c'est possible que ça endommage les composants de la Switch, oui. Il m'énerve le correcteur. Pachyderme. C'est pour ça qu'il s'appelle Pachy d'ailleurs. Hein. Parce que Pachyderme. Il cherche des objets perdus. Son t-shirt, c'est moi qui l'ai dessiné, vous en pensez quoi? Revoli. Vu qu'il est tout rond, ça l'a étiré. Il slay, non? J'aime bien, moi. Je l'ai fait genre il y a 3 ans, le t-shirt. Je l'ai fait une fois. Je l'ai mis dans la boutique, tous les habitants, ils l'ont pris. Et ils l'avaient mis en même temps. Donc vraiment, il y avait Cédric. Plus tous les t-shirts Cédric, plus Cédric qui avait le même t-shirt Cédric, quoi. Quoi de rigolo? Tout. Je comprends pas pourquoi. Pub, ça passe. Mais thème, ça passe. Enfin, ça, mais... Je sais pas, et vous, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Enfin, ça marche une fois sur 60, là. On m'appelle, je veux. C'est l'année de... Ah, bon anniversaire à elle, Wally. Happy birthday. Un t-shirt. Un t-shirt. Qui porte un t-shirt? Ah, ce serait trop compliqué, là. Un t-shirt Cédric qui porte un t-shirt de Cédric. C'est mon animal préféré. Mon animal, mon habitant préféré. Ah. Bon anniversaire à ta mère, en effet. Bien vu, Mara. Bon anniversaire, bon anniversaire à la petite indienne, à Cal, la maman de Wally. Bon anniversaire, les petits cobayes. Veux-tu chanter, danser avec tous vos copains? Et si tout est permis, on s'amuse bien. Vous savez que la funk de Lyon, bah c'est copyright sur YouTube. Du coup, faut que je coupe le moment. Moi aussi, c'est mon anniversaire. Ah, désolé, Lowini. Désolé, Lowini, la récompense, elle vient d'être mise. Après, si tu veux, on peut fêter ton anniversaire avec la funk de Lyon. Mais après, ce sera copyright, mais c'est pas grave. Après, je coupe le moment, tu sais. Je suis pas pressée pour mettre en ligne mes vidéos. Où ça? Coucou, mon. C'est encore mieux pour ton anniversaire. La should be. Francfort et le monde. Life is easy if you wear a smile. You are yourself. Don't ever change your style. Où toi? I am moi. Will be live. Coucou. This is nous. La ah, vraiment banger les filles. Yeah. Francfort everyone. Francfort à vous tous, évidemment. C'est vraiment un petit cadeau qui me plaît beaucoup que Cam Cam, Shema, Aksu et Rouleau m'ont fait. J'en suis vraiment plus que ravie. Je suis très, très honorée d'avoir cette beauté dans les points de chaîne, franchement. Bravo, bravo. J'ai loupé mon train. Oh non. Le prochain, il est quand? Flûte, tu vas devoir jouer avec nous. Francfort tout le monde. Ouais. À la place de Fun for Everyone. Quand j'étais petite, je pensais que c'était Francfort. Francfort Everyone. À la place de Fun for. 18h. Bah ça va en vrai. 17h05. Ça va, Rouleau, tu nous as fait peur. Moi je me suis dit, ouais, elle va devoir attendre 3 jours. Merci Lolo, merci Oka pour vos follow. Bienvenue. Et salut Margounette, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est que toi aussi. C'est quoi les super nunuches? Mais comment ça, c'est quoi les super nunuches? Ça va pas ou dire de dire, ça va pas ou quoi de dire c'est quoi les super nunuches? Les super nunuches, c'est les super nunuches, genre elles sont super connues, vous les connaissez pas? Non, c'est la fausse Charlie. Charlie, je me pose des questions sur ton âge quand même. Depuis tout à l'heure, je suis un peu dubitative. Aïe, aïe. Non, c'est fun for everyone, genre. N'a rien à, je suis désolée. Je suis dans la boîte. Aïe aïe aïe.
Je suis dans le club. Ça, c'est vraiment la funk. C'est la funk. Moi, j'adore la funk. Donnez-moi des objets perdus, en fait. Ouais, je peux pas faire mieux pour l'effet des lumières. Vu que c'est des alertes, elles sont pas censées prendre tout l'écran et là elles prennent tout l'écran, du coup c'est un peu de merde. Y'a pas les confettis. Aïe. Y'a pas les confettis. C'est quoi ça, toquante? Qu'est-ce que c'est? Salut Oka! J'ai connu il y a pas longtemps sur TikTok et j'en suis à l'épisode 24! Ah ouais, t'as bien avancé déjà! Comment tu vas? Bienvenue! Les confettis. Mais les confettis, je crois qu'ils ont un problème avec vous. Je crois qu'ils vous aiment pas trop. Salut à ceux qui arrivent sur TikTok! J'espère que vous allez bien. Salut Mikao! Salut! Filet, j'ai eu deux objets perdus. Oh purée, j'aimerais trop. Ça avait marché hier, ouais, mais elle est buggée, genre. Ça marche une fois sur deux. Et c'est quoi le dernier truc? Ah oui, c'était la pluie de cœur qu'on avait mis. Non, par contre, c'est un peu chiant. On va en time travel, on a rien fait. Ça fait 2 heures presque. Et on a rien. Je comprends pas comment c'est possible qu'on ait rien comme ça. Je comprends pas. Ouais, je fais des vidéos dessus, Johanna, je fais des petits tutos, des trucs comme ça. Après, en général, j'essaie de les riposte sur YouTube quand je peux. Là, récemment, j'ai mis toutes les vidéos construction, tutoriels qui étaient moins de 10 minutes, enfin, qui font moins de 10 minutes, je les ai mis sur... Enfin, les dernières, les récentes, je les ai mis sur TikTok, donc en soi, vous loupez rien sur ça. Mais il y a des petites vidéos que je fais, ouais, que sur TikTok, parce que c'est un format qui va que sur TikTok en soi. Mais écoute, tu me trop donné envie de tout recommencer. Ah ouais? Du coup, j'ai acheté la Switch Lite pour recommencer une île car j'aime trop la même. Ah oui, je comprends. je comprends. Et du coup, trop bien, du coup, t'as tout recommencé, trop cool ça. Je savais pas que je vous motiverais autant au point de racheter une Switch. C'est une chaîne YouTube? Bah ouais, Johanna, je viens de YouTube. Je pensais que tu me connaissais de YouTube, Johanna. Et oui, je viens de YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Je fais des vidéos Animal Crossing là-bas. Comment je fais pour dégager un habitant d'un autre profil de ma Switch? C'est quoi, c'est le deuxième personnage, ça? Ouais, je pense que c'est le deuxième personnage, je réponds tout à l'heure. Non, non, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que c'est là que je me rends compte à quel point le... Enfin, il y a tellement de gens qui n'ont pas de online en fait et qui sont là en mode mais comment je peux faire pour les motifs pour faire une belle île si j'en ai pas. Je suis là en mode ah bah ouais. C'est compliqué ouais sans les motifs en vrai. Salut Bimoun. Et vous êtes toujours au taquet. Hein. Au taquet. Et vous, il y a les mots animés. Il y a la bisou animée si jamais. Incroyable, je l'adore. Tournoi de pêche de l'hiver, mais on a que ça à faire d'être en tournoi de pêche de l'hiver. Coucou Chlo, tiré à toi aussi. Est-ce que tu voulais effacer, t'appuyer sur entrée? Ouais, c'est possible en vrai, Johanna, que tu sois tombée dessus. C'est possible. Bon, après, c'est pas grave, hein. Ah non, c'est demain le tournoi de pêche. Mais c'est beau là quand il fait beau comme ça, j'aime bien. J'aime bien quand il fait beau. Bonjour Chlo. Bonjour madame. Oui, tiré à toi aussi. on a qui là? On en a deux zigotos. Hop. Mais ils demandent pas non plus pour changer leur expression. Je pensais que ça allait passer inaperçu. T'inquiète. On peut faire genre après. Salut Chlo, comment ça va? On peut plus s'entraîner à MK sans que tout le monde le sache. Je te vois, Aksu. C'est dans une demi-heure, t'as le temps encore pour Mario Kart. Parce que oui, on joue à Mario Kart à 18h30 si jamais. On fait le tournoi habituel. On va bien s'amuser.
Voli, t'es là ou pas? Voli, tu Mario Kart aujourd'hui? Lolo, tu Mario Kart toi? Et vous, tu Mario Kart? Vous Mario Kartez aujourd'hui? Ah, arrête, Aksu, t'arrives souvent avant moi. Je me bouge de rentrer. Oh my god, dépêche. Hein. Ah ouais, Shlo, let's go. Trop cool. J'en suis ravie. Oui, le tournoi, il est gratuit, bien sûr. C'est sur Mario Kart, quoi. Faut juste le online. Non, mais la maison de Caro. J'ai demandé si Voli allait être là. Ah bah, normalement, je pense que oui, parce qu'il est souvent là, Voli. Mais... Là, c'est l'anniversaire de sa maman, donc je sais pas s'il sera là... J'aurais une bonne excuse pour avoir moins de points que vous. Ouais, j'avoue. Non, salut Aiko et salut Aiko. Purée, il y a deux Aiko qui arrivent en même temps. Oh my god. Bonjour à vous deux. Le doublon, les jumelles. Jumelles jumeaux, peut-être. Bonjour à vous, en tout cas, bienvenue. Soyez malades, s'il vous plaît, les habitants. Toujours pendant mon heure du repas. Bah ouais, bah écoute, Lolo. Quelle idée. Ça va toi Aiko? Comment tu vas? Pardon, je baille en même temps. Plat de seconde nature. Alors ok, je me disais. Et Voli, je crois qu'il est... Il a dit étant heureux. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça va bien, ça va bien. Karting version autoroute, ah, mais c'est marrant. La semaine dernière, vraiment, c'était trop drôle pendant ce bâton. Vraiment les tournois avec des objets random. Je vous jure. Bah ouais, Johanna, mais c'est pour la quête, tu comprends. C'est toujours elle qui cuisine, c'est fou. Hein. Crêpe aux fruits, ça me dégoûte. Une crêpe aux fruits. Ça me dégue un peu. Est-ce que je l'ai, la crêpe aux fruits? Oh mince. Ils mettent l'accent? Oui. J'ai le plan déjà. Ça me dégoûte un peu la crêpe aux fruits. Elle se cuisine elle-même. Oh, c'est du cannibalisme, j'avoue, purée de pommes de terre. Zinzine, quelle est celle-là? Salut Valentin! Comment ça va? Il faisait le tournoi de build des tricheurs. Mais on l'a fait nous aussi, Aksu. Les tournois de build. On l'a fait aussi, nous. Abang! Abang! Le Winnie Abang! Mais plus là, l'eau. Re à mon dernier re. Re Voli, t'es là pour le Mario Kart tout à l'heure? Abang? J'ai un peu plus. Non, par contre, c'est dingue. Hein. On n'a rien. Pas tout le long. Ouais, bah oui, je me doute bien. Je me doute bien, je me doute bien. C'est fou. C'est vraiment fou. Bah oui, évidemment, évidemment, Voli. C'est quoi de prévu ce soir? Je pense qu'on va se remettre en fait à la bonne date. Et puis on va attendre. Hein, que les on va faire le tour, on va tourner en attendant que les habitants me... donnent un truc à faire, mais c'est sur ça... Je lui en mets juste en journée parce que la flemme d'être à une période. Mario Odyssey? Comment ça? Merci Boulette pour le follow. Comment ça Mario Odyssey? Premier McDo de l'année. Oh my god, j'ai toujours pas mangé McDo. Ça fait un moment d'ailleurs. Je ne pourrais... Ouais, je pourrais pas Vogue ce soir. Ah oui! Non mais moi je te parle pour... Enfin, je crois qu'on... Je me suis perdue dans les messages. Moi je te demandais pour le MK, mais du coup tu m'as dit pas tout le long. Donc ça, ok. Parce qu'il y a la nif de la madré. Et en plus tu stream, c'est ça. Sur Mario Odyssey. Ok, oui, oui, donc pas de soucis. Si c'est bon. Je crois qu'on est en train de se perdre, vous voyez, on est trop perdu là. Je comprends rien. Ah, ça slay ça. J'espère qu'elle va bien. Quand même.
J'ai hâte de rentrer là ce week-end. Je vais pouvoir aller voir ma grand-mère. C'est littéralement devant... Ah, l'angoisse. Oui. Oui. Ce ne sera pas le tournoi 8 cette fois-ci. Désolée mes petits loupios. Ce ne sera pas 8. Ce sera la Queen's Cup ce soir. Le classique. 8-3. Non. Ce ne sera pas 8-3 pour une fois. Après, on peut faire exceptionnellement. On peut changer les règles du tournoi et mettre des... Et qu'on mette... Enfin, qu'on exclue quelques objets, hein. Si vous voulez, on peut, hein. Ça pourrait être marrant, en vrai. On exclut quelques objets. Bah, c'est celle-là, mon île principale, Katia. Je comprends pas vos questions, des fois. C'est elle, mon île principale. Ah, je crois que c'était toi, Charline. Je me suis dit, what the fuck. Donc, c'était ta tati qui s'est rétamée, finalement. Ah, y'a... On peut exclure les gens trop forts. Nouvelle règle du MK. Aïe, 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 aïe. Rétamée, bah ouais. Elle s'est bien rétamée, genre. Elle s'est cassée les genoux, là. La pauvre. Enfin, cassée les genoux. Je sais pas si elle s'est cassée les genoux, mais... Les vis dans les genoux, en tout cas, elles se sont pas rétamées, elles. Ça en rajoute une couche, j'avoue. Le mot rétamé, il est un peu marrant, en vrai. Sauf quand c'est toi qui te rétames, c'est pas drôle. Ah oui, alors tout est mélangé, oui. Sûrement, je pense, parce que c'est celle-là, mon île principale. Non, je crois pas, Axel. Mais il me semble, par contre, que tu peux choisir... Je sais pas où c'est, mais il me semble que tu peux choisir d'afficher le badge d'abonné au lieu du badge fondateur. C'est vrai qu'il est un peu moche, le badge fondateur. Il matche pas très bien avec ta couleur, surtout. Est-ce que tu streams souvent? Ouais, tous les jours, Johanna. Je stream tous les jours, ouais. Tu te laisses 6 heures, bah ouais. Des fois, c'est super long d'attendre. T'es là, t'as ton bras qui pendouille, mais vas-y, t'attends quand même. Puis il y a toujours des autres urgences qui sont plus urgentes en fait que ton truc, du coup tu as passé. Le badge fondateur, c'est les tout premiers subs de la chaîne. J'espère que ma nudité ne vous gêne pas, alors non, ça va, t'inquiète. On s'y fait. Tu fabriques quoi? Ventilateur Animonsur, je l'ai aussi celui-là. Et pour finir, dans 2 mois, Oliverter. Ah ouais, purée. Sympa ça. Ouais, donc ça, je sais déjà faire. Ok. je suis un peu shy, mais bon, ok. Après, elle est plus habillée que vous. Normalement, puisqu'elle a un badge qui est plus stylé en soi, dans le fond. Il est moche, mais... C'est parce que Twitch, ils font des badges pas beaux. Pour avoir le badge, pour être un peu moins nu. Merci pour tes 100 bits. Ah, tu t'en as débloqué 2, non, normalement, là. T'as le petit soleil à 1 bit, c'est quoi, c'est l'arc-en-ciel ou la fraise? La fraise, je crois. Petite fraise à 100, il me semble. Ils sont trop mimi, les petits badges, vraiment, le petit soleil. Si vous pouvez tous avoir un badge, genre, si je pouvais... Enfin, si on pouvait attribuer un badge à tout le monde... Oh my god, il va partir, c'est ça. Oh, putain. Non, zinzin. Non. C'est l'arc-en-ciel. Il slay. Oui, tout le monde peut venir pendant le tournoi, sinon je vous dirais pas qu'on fait un Mario Kart. Pourquoi il y a des gens qui font des tournois où vous pouvez pas venir? Je comprends pas trop la question. Pour moi c'est logique, un tournoi c'est qu'on le fait ensemble quoi. Pour moi ça me paraît tellement logique, mais peut-être qu'il y a d'autres streamers chez qui vous passez où en mode les tournois c'est que pour, je sais pas, genre je sais pas, les follow, les subs, les... je sais pas. Je suis fan des pingouins, mais j'en ai 3 sur mon île et la dernière fois ils étaient tous les 3. Assis sur les petites chaises ici. Mais vraiment, je les aime trop. Trop mignons. Philibert, Bébou. Il est un peu zinzinette, mais vraiment, il est zinzinette sur les croquets à partir et tout. Il me fallait ça. Ah ouais, jure. J'ai jamais vu ça. Purée, je sais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça, genre. Tu vois, tu me l'apprends. Je comprends pas pourquoi mercredi j'ai donné les bits et j'ai pas le badge. Ah! Normalement tu l'as débloqué, en fait il faut que tu le mettes je crois. Il faut que tu cliques sur tes badges, ton identité de discussion là. Je crois que c'est la roue crantée.
c'est pas ça, je sais pas comment on fait. Ah si, c'est non. Comment on voit son identité? Comment on change ses bases sur téléphone? Je sais pas comment on fait pour changer ses badges sur le téléphone. Comment on fait? J'arrive pas à fermer cette page. J'ai fermé Twitch, je vais me flinguer. C'est la roue chromée. Ah, c'est... alors c'est quoi le plus avantageux? Les bits ou les subs? J'aimerais avoir une émote aussi à côté de mon pseudo. Alors le moins cher, si jamais. Alors tu peux pas acheter moins de 100 bits, mais 100 bits c'est genre 1€ je sais pas quoi. 1,50€ on va dire les 100 bits. Ou 1,20€, je sais plus. Et t'as pour 1 bit donné, t'as le badge le petit soleil. Le plus beau des badges, je l'ai mis au premier palier parce qu'il est trop beau. Salut Pichu, comment ça va? T'as appuyé à gauche sur ton badge. Mais alors pourquoi je vois rien? Je suis un peu con quoi. Niveau du avantageux pour toi c'est les bits. Niveau avantageux pour nous c'est les subs, après c'est comme tu veux. Soit t'as un petit soleil et si t'es sub, le badge ce sera comme celui de Lou, Lou Choupette. Elle a le petit cœur. Il est très mimi aussi ce badge, ils sont très beaux tous les deux. Je les aime trop. Alors vous m'avez dit, tu cliques sur la roue crantée. Mais je l'ai pas moi. Ou sur les points de chaîne. Mais je vois pourquoi je vois pas le truc. Peut-être parce que c'est mon chat à moi. Merci la petite fée pour ton follow. Donc si je prends 100 bits, j'aurai plus que ou plus que le petit soleil. Si tu donnes 100 bits sur un stream... Tu débloques deux badges, tu débloques le petit soleil et l'arc-en-ciel. Et tu l'as pas, Lou? Plus que le petit soleil. Du coup, ouais, t'en as deux, mais faut que tu les dépenses. En vrai, c'est que chez moi. Moi, c'est mes badges à moi, mais t'as d'autres personnes qui ont d'autres badges, tu vois. Mais tu peux en mettre qu'un seul, ouais, par contre. Tu peux choisir un seul badge de bits. Par contre, tu peux avoir deux badges, le badge de sub et le badge de bits. Genre, Dolly, t'es pas un bon exemple. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a les deux badges, un badge de sub et deux bits. Genre, Marvin, il a un badge de sub et deux bits. Il y a une fleur de sub, d'ailleurs, qui est très belle, c'est le badge des 2 ans et demi. Et le soleil de bits, trop mimi. Pas un bon exemple, super ban. Genre, Voli, par exemple. Tu vois, il a le badge de bits et le badge de sub. Oh, Chloé, tu slay. Tu slay. Non, je l'ai pas, je comprends pas. Mais c'est trop bizarre, pourtant t'avais dépensé, ouais. Plus. Mais Chloé, t'as un beau badge quand même. Parce que Soso, il me donne pas mes trucs. Et il me déteste vraiment. J'en peux plus. Donnez-moi des quêtes en fait. La meuf va péter un câble. J'en peux piou. Donnez les affaires. Je suis pire de ça, j'ai payé. J'ai payé le pain a été validé. Le paiement a été validé. Mais c'est bizarre alors, pourquoi tu l'as pas? T'es sûr que tu l'as pas dans l'identité de discussion là? Comme le chat avait expliqué? Trop nul, pourquoi alors? Je comprends pas. On a déjà été voir. Néfer, ça l'a fait partir Robert. Oh. J'ai le chouchou. Wow, Marvin, tu slay! Dans badge personnalisé. Bah t'es bien comme ça Axel, tu te sens habillé là. Axel vraiment, je sais pas pourquoi mais tu me fais vraiment trop penser à ACNL genre. J'ai cette bonne vibe quand t'es là genre de ACNL. Tu m'envoies cette vibe cool d'ACNL genre. Ça slay. Je suis habillée c'est mieux, c'est vrai que t'as un beau Batman. Ouais je fais des lives tous les jours.
Comment on achète des beats? Bah t'as la petite icône de beats en bas du chat, normalement. En tout cas moi je l'ai. C'est le petit losange là. Tu cliques dessus et ça te met les prix normalement. Tu peux mettre acheter des beats en bas. Mais c'est quoi cette merde? Pourquoi sur téléphone? What the fuck? Ils ont augmenté les prix là? Depuis quand 95 bits ça coûte 2,25€? C'est quoi ce tarif là? Regardez. Je suis un peu outrée. C'est quoi les tarifs là genre? Ma tablette est dégueulasse. Oh, elle est très crade. C'est quoi ces tarifs là? Depuis quand 95 bits ça fait 2,25€? Sur portable? Ah bah c'est pour ça ouais. Et pourquoi 95? Pourquoi tu recharges pas des vrais bits What the fuck? Vraiment, ayez un PC hein, parce que ça coûte hyper cher de soutenir des créateurs sur tablette et téléphone, c'est aberrant. Sur tel c'est toujours plus cher, c'est chaud en vrai, que ce soit aussi cher. Enfin aussi cher en vrai c'est pas non plus excessif mais c'est plus cher que sur le PC quoi. Bah ouais Lou, c'est trop nul. Ah mais tu sais pourquoi? Parce que je crois que le badge qui a été remplacé c'est le sub gift leader. Lou. Je crois que ton badge de beats, il a été remplacé par ce badge là. Ma femme, regardez Dolly comme elle brille avec son badge. Ma femme t'es vraiment trop belle. Ce badge là il est trop beau, il te va bien je trouve. C'est pas ma femme pour rien hein, franchement. Elle slay de fou genre. Avec le petit soleil je pense que c'est mon préféré. Tu shine, franchement elle shine de fou. Pitié quoi, j'ai besoin d'avoir des trucs là. Oh purée. JPEPS quoi. C'est pas ma femme pour rien en effet hein. Faut les envoyer une fois payer les... Ouais, faut que tu les envoies pour les... Pour pouvoir les débloquer, après ça dépend où tu veux les envoyer quoi. Enfin quel badge tu veux chez qui quoi. Je comprends pas l'histoire du badge. Bah dans tous les cas Charlie tu peux pas en avoir toi parce que t'as... Enfin tu peux pas en avoir parce que t'as pas sub et t'as pas de bits. Ouais sur l'ordi c'est 4€. C'est 3,99€ le sub. Ils sont plus chers de 50 centimes sur téléphone. C'est abusé en vrai, je trouve ça vraiment débile que ça soit plus cher, je comprends pas pourquoi. Bitis. Les bitis. JPP. Pourquoi j'ai pas l'alerte? Ah voilà. Merci Dolce Luna pour le Prime. Merci beaucoup, c'est adorable. D'ailleurs, vous me faites penser? Ah non, c'est le 9, on n'est pas le 9 du tout. Non, Charline, pourquoi? Merci beaucoup en tout cas, Dolce Luna. Merci, merci. Non, pourquoi? Le son il est dégueulasse? Franchement, c'est grave faisable. Mais normalement, c'est mon micro classique quoi. Prime, ce n'est jamais. Il y a le point d'exclamation Prime. C'est avec Amazon Prime, tu sais. Tu peux relier tes comptes et en fait, t'as Prime qui te permet d'avoir un sub gratuit. T'as un sub gratuit par mois avec ton abonnement Amazon Prime si t'as Amazon Prime. Ça a été payé dans les paiements. Mais c'est trop louche. Je comprends pas pourquoi tu les as pas. Faudrait regarder sur l'ordi. Peut-être que c'est bugué sur le téléphone. Et puis si vraiment les habitants, j'en peux plus quoi. Je sais pas genre pourquoi mes habitants ils font jamais rien comme ça. Pourquoi ils glandent? Toute leur journée ils glandent, ils me demandent rien, ils font rien. C'est genre dans un bâtiment que je ressors. J'en veux plus. Salut Dark Elias, comment ça va? Tu vas bien? Ma femme. Ma femme, t'inquiète, c'est parce qu'il y a le Mario Kart dans 15 minutes, c'est pour ça. Tu viens pour le Mario Kart, ma femme? Tu fais une petite pause? Petite pause, on s'amuse un peu, ma femme. 4 en vrai, ça va, ma femme. En vrai, t'as bien avancé. T'as bien avancé. Pachi, tu veux pas faire un truc? Enfin, je sais pas. Genre... Ma femme, je suis trop ravie. Je suis trop ravie, ma femme. Franchement, trop bien. Trop bien.
Je sais pas que vous partagez les bans avec Nevers. Bah, je partage mes bans avec beaucoup de gens hein, de Twitch Game. Et c'est en partie chez moi qu'on voit les... Enfin, les bans de chez moi qu'on voit chez les autres. Et j'en ai beaucoup des personnes de banni. Donc si vous êtes ban chez moi, par exemple, Dolly voit que vous êtes ban chez moi. Voli voit aussi que vous êtes ban chez moi. Nefertz voit aussi que vous êtes ban chez moi. Donc attention, si vous faites des bêtises, vous allez être fiché rouge chez tout le monde. Et ouais. Partager les bans, en fait, c'est je partage les bannissements avec d'autres copains streamers. Mais j'en partage avec genre une quinzaine, vingtaine de streamers de la commu, quoi. Donc ça veut dire qu'une fois que vous faites de la merde chez quelqu'un, bah en fait, si c'est chez moi, vous allez être partagé pour tous les autres streamers avec qui je partage les bans. Donc en fait, quand vous allez mettre un message sur le chat, vous allez être en surveillance et ça va être mis en commentaire modérateur. Pourquoi vous êtes ban? Ce que vous avez fait, etc. C'est le dossier judiciaire, vraiment. Oh, franchement, ouais. Ouais, mais il me semble qu'on s'est croisé, Johanna, chez quelqu'un. Genre, ça doit être chez Nefertz, non? On s'est croisé. Je sais plus où c'était, mais je t'ai croisé quelque part, j'en suis sûre et certaine. Ton pseudo me dit vraiment quelque chose. C'est le casé, genre chez Lowini également. Loser! Ah, let's go, Marvin! T'es vraiment rentré pile poil, quoi. C'était mon dossier préféré. Mon dossier préféré, c'était ton mémoire quand tu l'auras fini, ma femme. Et bon. J'ai failli faire une sieste. Lolo. C'est trop de faire des siestes. C'est trop de dormir de la sorte. Faudrait que tu regardes Lou en vrai sur l'ordinateur. Ouais, on s'est croisés hein, hier et aujourd'hui, peut-être même les deux. Hein. Mais on s'est croisés plusieurs fois, je crois. On s'est croisés plusieurs fois. Ah, Liv qui voit Disney, alors ça, je suis étonnée. Ah, toutes mes pages. Grrr, ouais, alors, tout de même. Ça vaut quoi. J'ai pas Twitch sur mon ordinateur. Bah, après, c'est sur navigateur Twitch, Lou. Tu te connectes juste, quoi. Pourquoi mon oreille elle crépite comme ça? C'est quoi cette histoire encore? Les habitants, c'est quand vous voulez. J'en peux plus. Salut CSA, comment tu vas? Je l'ai acheté sur Etsy. C'est un accessoire de casque. C'est trop saluante, du coup tu crépites. Je suis trop slayante, tu veux dire? Pas saluante. On est où pour être saluante, ma femme? Après, je peux être saluante, hein. Je peux dire bonjour, tu vois. Ah, purée. Et d'ailleurs, je reviens sur l'histoire des partages des bans, mais c'est pareil. Hein. Moi, je reçois les bans de tout le monde. Toutes les personnes avec qui je partage, en fait, on s'échange les personnes. Enfin, c'est pas on s'échange, on n'a pas une liste, etc. Et on s'envoie par message privé. Non, c'est vraiment genre Twitch qui gère tout. Et en gros, qui dit bah là, cette personne a été bannie chez un tel, voici les motifs de bannissement, voici ci, ça, ça. Ah, c'est le touche-nez. Ah, c'est le touche-pied maintenant. Toujours en retard, c'est honteux. Bah bravo. Faites un effort les habitants, mais là j'en peux plus. Parce qu'on va, on va aller sur, sur Mario Kart en plus là, on va décaler quoi donc. Je vous partage le bannissement de chez de Dolly chez moi. Tout à fait, exactement Lolo. Je mets mon badge. Mais tu regarderas sur l'ordi, tu te connectes sur navigateur et tu regardes. Je fais pas tourner le cas. Ouais, je t'ai vu te connecter, Chelo. Je t'ai vu en haut. Bon, écoutez, on a eu zéro. Objectif du stream 100, on a eu zéro. On a tourné pendant 2h20.